On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Michel Bernier. Bonjour. Pierre Bénichou. Titoff. Jérémy Michalak. Et Fabrice Eboué. Ah, je tiens évidemment à remercier encore tous les organisateurs du festival de l'Alpe d'Huez qui s'est terminé ce week-end. Je crois que c'est le film de Safia Azzedine, ma femme, mon père et femme de ménage, et non pas le contraire, ma femme et père de ménage, qui a remporté le prix Europe 1, prix du public. Pierre Bénichou, ça s'est bien passé votre retour, parce que je suis rentré un peu avant vous, moi, de l'Alpe d'Huez. Oui, ça s'est bien passé. Oui, le train, quoi. Ouais. Le train. Il s'est fait des amis chez le contrôleur de la SNCF. Ah bon, qu'est-ce qu'il a fait? J'étais un peu juste à l'heure. Comme ça, je dis le 3. Je dis quoi? Il me dit 3 quoi? Je dis la voiture 3. Qu'est-ce que je vous demande pas sur quelle chaîne de télévision ça passe? Combien vous avez d'enfants? Alors, il me dit, on peut, je dis, mais qu'est-ce que vous que je dise? Alors, je dis la 3 parce que je suis pressé. Je dis, on dit bonjour d'abord. J'ai dit, je dis bonjour en fait. J'ai dit des gros mots pensant que ça allait tourner bagarre. Ça a rien tourné. Tu te rends compte ce que t'as loupé, Fabrice, un peu? Tu as remarqué les gens maintenant, il faut leur dire bonjour. Bonjour, j'en ai à foutre qu'il passe un bon ou un mauvais jour. J'ai de la 3, qu'ils me disent c'est là-bas. Ah bah, vous auriez pu dire bonjour monsieur le contrôleur, pouvez-vous me dire s'il vous plaît Vous voulez paniquer ma sœur, monsieur le contrôleur? Qu'est-ce que ça veut dire ça, monsieur le contrôleur? Où se trouve le wagon numéro 3, voyez? Où se trouve, quand tu cours avec ta valise à la main, t'as du mal à faire ça. À une minute du départ du train, tu dis bonjour monsieur le contrôleur, voulez-vous me dire où se trouve le wagon numéro 3? Non, bah, 3. Oui, mais tu aurais dû prévoir et prévoir un petit quart d'heure d'avance, arriver tranquille. Ah non, venant de vous, monsieur Titoff, c'est bas. Non, on dit bonjour quand on est poli, par exemple. Moi, je dis bonjour à Fabienne. Bonjour Fabienne. Bonjour. À Fabienne, c'est pas pareil. Ah bah oui, Fabienne nous écoute tous les jours, c'est bien ça? Oui, tous les jours, vous depuis quelque temps. Vous dites, je suis. Depuis quand? Combien de temps seulement? 2-3 mois. 2-3 mois. Ah, mais alors comment vous nous avez découvert il y a 2-3 mois seulement? Ben en fait, chez mes patrons. Ils écoutent Europe 1 tous les jours, donc je me suis mis à Europe 1. Europe 1, la radio des patrons. Vous êtes femme de ménage, je crois. Oui, voilà. Et voilà, et c'est en travaillant chez vos patrons que vous avez découvert notre émission. Voilà. Ah ben on est bien contents. Alors, moi aussi. Vous avez de bons patrons, donc. Ah, tout à fait. Ils sont, sont sympas avec vous? Tous, oui, sympa, super sympa. Ils sont propres? Ils sont propres. Ah. Bah pas tellement s'il faut une femme de ménage. Hein. Bah non, c'est pour les aider. Ah bah voilà, c'est pour les aider. Ils sont âgés peut-être. Il y a des personnes âgées, oui. Voilà. Ouais, enfin, elle nettoie les bureaux, elle nettoie pas les patrons, j'ai l'impression. Non mais vous travaillez chez des particuliers ou des entreprises? Chez des particuliers, chez des particuliers. Voilà. Qu'est-ce que vous faites par exemple comme ménage chez vos patrons? Les carreaux. Les carreaux. Les portes. Voilà. Et c'est vrai qu'ils demandent de passer l'aspirateur quand Bénichou parle uniquement. Non. Fabien, et vous êtes où Fabienne? Vous nous appelez d'où? J'habite à Mont-Saint-Barœul, à côté de Lille. À côté de Lille. Bon, on viendra vous voir bientôt du côté des Ch'tis avec Europe 1. On vous embrasse et votre témoignage était très sympathique. On est toujours content d'avoir de nouveaux auditeurs. Ah, c'est super sympa, merci. Merci j'adore, Fabienne. Je salue la bande à Ruquier que j'aime énormément, me dit Joachim. Je vous écoute en podcast et j'ai déjà converti plus d'une personne à votre émission. En revanche, si vous pouviez éviter de continuer à critiquer Plantu, qui ne fait plus rire personne, comme vous l'avez dit, ce serait sympa parce que c'est mon papa. Et ça me fait de la peine que l'une de mes plus grandes idoles s'en prenne à mon père, qui d'ailleurs est très drôle à la maison. Non, c'est vrai. Je me demande si c'est une blague ou pas. On a essayé d'appeler. Ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Oui, ça peut être vrai. Ouais. C'est terrible. Alors, je m'excuse. Enfin, je demande pardon à Joachim de m'excuser. Ouais. Enfin, en même temps, j'ai dit ce que je pensais. Bah. Voilà. Ah ouais, en même temps, c'est son père. C'est normal qu'il l'aime. J'espère qu'il l'a mieux réussi que ses dessins. C'est tout. Oh non. C'est bien. C'est des belles excuses. Ah non, mais il dessine pas mal. Plein de problèmes, c'est les légendes. Monsieur le réalisateur François Renucci, ça s'adresse à François qui est derrière la vitre. À la vedette. Pouvez-vous dire à monsieur Bénichou, à monsieur Kersauzon de parler soit devant le micro ou soit de parler plus fort, car quand j'écoute l'émission en podcast dans ma voiture, je suis sans cesse obligé d'augmenter le son pour entendre Bénichou ou Kersauzon, alors que quand c'est Laurent qui prend la parole, lui en tant que professionnel parlant devant le micro et intelligemment et intelligiblement,
je dois rebaisser le son de peur d'exploser les vitres de ma voiture. Par pitié, faites quelque chose. En revanche, pour Monsieur Miller, au contraire, coupez-lui le micro. Bon, Pierre, vous avez vu, hein, on a des plaintes. Parce qu'il l'entend pas podcast. S'il l'entendait en français, il comprendrait très vite. Je l'écoute en podcast. En... Ouais, oh non, vous n'allez pas me refaire le sketch du podcast, Pierre. Hein, ça marche pas mal. Oui, mais enfin, ça, si vous voulez, une fois par semaine, ça suffit. Hein, le sketch du podcast. C'est déjà pas mal, une fois par semaine. C'est bon, quand tu commences à avoir tes classiques, tu vois. Il marche bien, le podcast. Tu vas pas nous faire le sketch. Je préfère la voiture 3, mais bon. Avec la trompette, ça se défend. Hein. Remarquez, Titoff, faudrait mieux de vous taire. Ah. Parce que j'ai justement Eric qui me dit « Bonjour, Titoff, je voudrais vous demander un petit truc, un truc très potache qui me fait bien rire à chaque fois. » Lorsque Paul Vermus sera en ligne tout à l'heure, pouvez-vous crier allô, allô, comme vous le faites à chaque fois? Ah, c'est oui. Con, mais j'adore ça. Ok. Mais bon, j'ai pas le droit de le faire tout le temps, parce que moi, je le ferai à chaque fois, sinon. Mais oui, je suis là pour vous surveiller dans vos redondances. Vous voyez, Laurent, il y a des. Il y a des gens qui aiment ça. Ouais. Bah oui, mais il faut éviter de radoter si on veut, évidemment, ne pas perdre nos auditeurs, gagner un nouveau public à chaque fois. Et... Bon, pas perdre des auditeurs, ouais. Ça dépend lesquels. Je préfère avoir 3 bons auditeurs que 3 millions de mauvais. Michel Bernier, regardez, elle ramasse des auditeurs tout au long de sa tournée avec son spectacle. Par exemple, Gauthier qui dit « Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe ». Que de compliments pour Michel Bernier. Nous sommes allés la voir en famille le 11 janvier dernier au Théâtre de Moulins. Son spectacle était super et on souhaite vivement qu'elle revienne. Ça fait plaisir, ça. Ah oui, oui, je Gauthier, suis très gâté. Merci Gauthier. Qui est allé voir Michel dans sa loge après le spectacle. En plus. Ah bon ? Bah oui, moi j'ouvre toujours ma loge. Vous vous souvenez de lui à Moulins ? Oui. C'était criant de sincérité, ça. Ouais, bien sûr. Et alors ? Eh ben, Gauthier, il est très très beau garçon. Ah ouais ? Ah ouais, magnifique. Gauthier, 95 ans. Voilà. Eh ben, c'est ce que je disais, bien conservé. Bonjour Monsieur Ruquier, j'écoute votre émission tous les jours en podcast, car je ne peux me permettre de l'écouter d'une seule traite en direct. J'apprécie beaucoup de vous entendre. Cependant, je me permets de vous écrire aujourd'hui afin de vous demander de dire à Monsieur Jérémy Michalak d'arrêter de tutoyer les auditeurs qui sont au téléphone. C'est un manque de respect que vous-même, Monsieur Ruquier, ne supportez pas quand on le fait vis-à-vis de vous, comme ça a été le cas il y a quelques semaines. C'est vrai, Jérémy, vous tutoyez. Non, c'est une familiarité, je suis proche des gens, moi, c'est pour ça. On n'est pas sur une radio... Mais je veux pas qu'il y ait de barrière entre les auditeurs et moi, c'est pour ça, je prends le parti de les tutoyer. Les enfants, ils ont le droit de tutoyer les grands. Oui, mais Joujou, c'est plus un enfant, quand même. Ça dépend. Là, Joujou, non, vous devez avoir du respect pour nos auditeurs. C'est pour rester proche des gens, je te dis, vraiment. Mais non, c'est un truc de Radio John, ça. Voilà. Ouais, alors comment tu vas, Marcel? C'est vrai que Marcel, c'est un truc de Radio John. Alors, t'es avec ton meilleur pote Robert? Vous éclatez bien ou pas de l'autre côté du transistor? T'es allé en rêve avec Raymond, quoi? Allez, ça revient à la mode. Ah oui, pareil, ouais. Et oui, ah, Pierre. Sur Fréquence Bénichou, c'est la mode. Ça, il y a eu des périodes où ça n'était pas à la mode, Marcel. Pierre, je vais vous laisser vous réveiller et on se retrouve après la pub. Vendredi dernier, Pierre Bénichou a soutenu l'initiative de Frédéric Mitterrand de retirer l'auteur et l'écrivain Céline des célébrations annuelles du ministère de la Culture, prétextant, je cite Monsieur Bénichou, que l'on célèbre autant le citoyen que l'artiste. Alors à ce compte-là, Monsieur Bénichou, cessons d'affubler nos écoles publiques du nom de Jules Ferry, étendard de la laïcité, mais aussi théoricien des races inférieures et du colonialisme, qui a provoqué autant de morts que l'effroyable antisémitisme véhiculé par Céline. Interdisons la lecture de Voltaire, éminent écrivain des Lumières, et pourtant haut défenseur de la traite des Noirs dans nos collèges et nos lycées. N'écoutons plus Noir Désir sous prétexte que la compagne de l'un de ses membres est morte sous les coups de ce dernier. Pire, cessons d'aller à Jarnac fleurir la tombe d'un ancien président de la République, oncle du ministre de la Culture à l'origine de cette initiative, décoré en 43 de la Francisque, haute décoration pétainiste. Vous aviez, monsieur Bénichou, réclamé les applaudissements pour votre intervention de la plus haute démagogie. Pas sûr, pourtant, que celle-ci méritait la moindre des attentions, tant elle dénote du populisme le plus primaire et de la supercherie éhontée, selon laquelle la distinction d'un artiste et de son œuvre se ferait en fonction de la grandeur de l'homme.
Oula, c'est long, hein. Toutes les personnes citées sont à leur manière célébrées, mais ce sont bien pour leurs œuvres culturelles ou politiques qu'elles sont mises en avant et non pour le degré d'abomination de leurs pensées ou de leurs agissements. Ça va durer combien de temps cette lecture? Il est énervé, le fils de Plantu. Hein. Continuez plutôt à nous faire rire avec Courtepaille et la trompette. C'est terrible. Amicalement, le problème, c'est qu'il va vouloir répondre. Signé Alexis. Vous n'allez pas lire trois feuillets de ce type-là. Qui sont les arguments les plus éculés. Oh ben dis donc, tout le monde a se rapproché des choses et tout. Je dis simplement que quand un type qui s'est conduit aussi mal, qui a fait autant de prosélytisme pour une des causes les pires que l'humanité ait connues, ce type-là ne doit pas avoir une rue à son nom. Il doit être commémoré peut-être, ne doit pas être célébré. Un enfant qui serait premier partout en classe et qui crèverait un œil de son professeur, celui-là, on lui donnerait pas le prix d'excellence. On dirait qu'il est premier en français, en anglais, en latin, en mathématiques, mais on dirait pas qu'il a le prix d'excellence. C'est vrai qu'il est meilleur sur Courtepaille. Hein. Pardon, vous voyez parler plus distinctement, je vous entends jamais. Je ne vous entends jamais. Mais pourquoi, il n'a rien dit. C'est le petit Michalak. Oh la balance. Oh là là, il a balancé. C'est pas du délit de faciès, ça. Il s'est dit, c'est le grand noir, forcément. Le petit blanc à côté, il dit rien, ça va quoi. Ça, c'est vrai. Il a rien dit, Éboué. Je vous jure que c'est vrai. Il a rien dit, monsieur Bénichou. C'est le petit con là-bas. C'est le petit joujou, le petit là. Le numéro 1 sexy du paf, là. Si vous avez une lettre d'injure de trois feuillets, lisez-la tout de suite, comme ça, ça me fera. J'aurais passé. Non, c'est une blague, là, maintenant, qui est envoyée par Saskia. Un couple de vieux achète une maison dans un village du sud-ouest pour sa retraite. Puis après quelques semaines, il y a le maire, évidemment, du village, qui rend visite au petit couple de petits vieux. Comment allez-vous? Vous plaisez dans notre commune? Bon, votre maison est un peu isolée, la commune aussi. Vous ennuyez pas, j'espère. Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Oh, dit le papy. Réveil à 7h, activité sexuelle, puis petit-déj. Réactivité sexuelle, puis douche. Puis on va faire les courses au marché. À 11h, retour du marché, activité sexuelle. Préparation du repas, et puis réactivité sexuelle. Apéro, repas et activité sexuelle. Puis dessert. À 15h, petite promenade avec la dame. À 18h, retour, activité sexuelle, pour ne pas perdre la main. Puis à 19h, une petite soupe fromage, activité sexuelle. À 20h30, vaisselle. Hop. Puis après la vaisselle, activité sexuelle, devant l'évier. À 21h, au lit, parce que là, fatigué. Devant l'évier, j'ai aimé l'évier tout à l'heure. Le maire du village est quand même un peu stupéfait dans tout ça. Il dit, mais quel âge avez-vous? Oh, ben, moi, 86 ans, et Marguerite, 78. Félicitations, dit le maire. Mais qu'est-ce que vous entendez par activité sexuelle exactement? Ben, elle me casse les couilles. Si, elle est pas mal. Elle est très jolie. J'aurais chuté à l'évier, moi j'ai trouvé ça plus drôle. Elle est bien. Alors j'ai aussi une demande à faire, c'est que vous écoutiez bien la chanson qui va venir. On l'a déjà diffusée régulièrement dans cette émission, c'est la chanson du chanteur Ease, hélas décédé, vous savez, ce gros monsieur qui a repris Over the Rainbow. Et bien justement, il y a un auditeur qui s'appelle Lilian qui dit... On croirait que c'est Pierre Bénichou qui chante. J'ai trouvé que le chanteur avait la même voix que Pierre Bénichou. Écoutez bien la chanson en fermant les yeux, surtout, et en pensant que Pierre Bénichou pourrait l'interpréter. Ou peut-être même mieux, faites-le chanter en direct. Je suis sûr qu'il aimera ça, vu qu'il chante tout le temps. Est-ce qu'il peut chanter Over the Rainbow, Pierre? Non. Bon, on va voir, on va vérifier tout de suite. Bon, pour l'instant, non. Hein. Alors là... Ouais, non, c'est pas du tout. La trompette... Mais quel rapport avec Pierre Bénichou? Aucun. C'est pour prononcer mon nom comme les gens. Ouais. Bon, Lilian s'est trompé, mais c'est pas grave, on va quand même écouter la chanson en entier. Dream that you dream of, dream of.
Someday I wish upon a star. Wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops. High above the chimney top, that's where you find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly and the dream that you did to, oh why can't I, oh, someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind, be where trouble melts like a lemon drops, high above the chimney top, that's where you find. Challenge Vermus. Bonjour Paul, heureux de vous retrouver. Bonjour Laurent, c'est réciproque. Hein. Alors d'autant que j'ai allô pas... Ouais. Oui. Allô la lourdeur. Bonjour Paul. Oh non, oui. Titoff, je vous en prie. Oh, non. Comment ça va Paul? Non, Titoff. Paul non. Non, mais où il est? Non, Titoff. Il fait encore la vieille blague. Vermus, dites-lui que ça c'est une barbe. C'est, franchement. D'ailleurs, ça c'est dans les choses que j'ai noté à dire ce soir, parce qu'on fait une petite réunion de chroniqueurs ce soir. On va resserrer les boulons, hein, Paul Vermus. Vous êtes d'accord? Ça me paraît indispensable. Hein, ouais, ouais. Voilà. Allô, c'est ce qu'on attend d'un chef de bande, hein, pas autre chose. Hein. Allô. J'ai des enquêtes pour vous, Polo. Oui. Alors d'abord, la nouvelle affaire Joujou. Hein, parce qu'il faut c'est-à-dire quand même... Ah bah oui, il y a une nouvelle affaire Joujou. Ah merde, je suis pas au courant. Bah, c'est l'affaire Jennifer... Et ah, le et, sondage truqué, c'est ça, les votes Pokora, truqués. Pokora, parce qu'en ce moment, il n'y a que des votes truqués sur Internet. C'est-à-dire que M. Pokora et Jennifer ne sont pas plus chanteurs de l'année que vous êtes l'animateur le plus sexy du passage. Ça se discute, ça se discute. Ah, oh, moi, attends. Ah, non, non. J'ai vu ta photo, Jérémy. Elle est magnifique, cette photo. Ah, laquelle? Parce qu'elles sont toutes en règle générale magnifiques. Ah non. La photo. Alors non, non, non. Ce photo, avec tes yeux et tout, hein, magnifique. Avec tes yeux. Ah oui, celle sur les yeux est beaucoup moins bien. Je veux pas prendre sur l'enquête de Paul, mais c'est, je suis pas sûr que ça soit la même affaire. C'est ah que, si, parce que c'est... Jérémy, il y a eu un appel et c'est les auditeurs d'Europe 1, tout ça. Là, après, c'est peut-être le truc de cumuler les votes. Ou ah je mais sais non, mais pas. Sur Énergie, c'est pareil. Hein, est-ce qu'ils ont pas inversé? Est-ce que c'est pas Jérémy qui était meilleur chanteur de l'année et Matt Pokora meilleur gay de l'année? Laurent, vous voulez savoir s'il y a triche ou pas, quoi? Bah, c'est ça, exactement. Bon, bah, on va essayer d'enquêter là-dessus. Ben bah, oui, parce que quand même, ça paraît bizarre, cette histoire de Jennifer, alors qu'elle n'a pas vendu un album, elle termine chanteuse de l'année devant, je sais pas moi, Zaz, devant Mylène Farmer et les autres. Ah, Zaz, elle est très bien. Voilà. Et pareil pour M. Pokora, qu'on aime bien. Moi, j'aime bien sa chanson, M. Pokora, Juste une photo de toi. Ouais. C'est pas mal. Mais alors, bon, c'est pas la chanson de l'année non plus. Ouais. Ouais, on va pas y vous avez des doutes, quoi. Bah, vous avez tous des doutes. Alors, le coordinateur des Energy Music Awards, là, Jacques Grimal, dit « Mais oui, mais c'est normal, ce sont les auditeurs de Energy et les téléspectateurs de TF1 qui votent sur Internet et ils votent pour des chanteurs qu'ils aiment bien, ils ne font pas attention s'ils ont vendu des disques ou pas. » Bon, en même temps, c'est un argument défendable, non? Bah oui, au moins, c'est pas un jury qui est là qui vote, c'est vraiment les téléspectateurs et les auditeurs. Bah oui, mais en même temps, alors pourquoi ils n'achètent pas les disques s'ils votent? C'est ça le truc. Bah parce que peut-être qu'ils téléchargent sur Internet les disques, plutôt que les acheter. Voilà.
C'est comme nous, les mauvaises audiences, c'est des podcasts en fait. Sinon, on cartonne. On a de très bonnes audiences, nous, l'après-midi, mon petit Fabrice. Je vais revenir alors. Je vous emmène en Tunisie, Paul Vermus. Oh, ah, bah si. Ah. Parce qu'il y a quelque chose, moi, qui m'a surpris dans la presse. Alors, d'abord, c'est une bonne nouvelle, évidemment, c'est que certains journaux comme Le Canard Enchaîné, Libération, Le Monde sont désormais en kiosque en Tunisie, alors qu'ils étaient évidemment interdits pendant des années là-bas. Ça, c'est la liberté de la presse que ce pays retrouve, formidable. Mais alors, je vois aussi que les livres, évidemment, qui étaient interdits, se retrouvent dans les vitrines des librairies. Entre autres, évidemment, le fameux livre La Régente de Carthage, dont je recevais les auteurs la vendredi soir dans l'émission. Mais je vois le guide du routard la Tunisie, qui était interdit et qui se retrouve à nouveau en librairie. Ah ouais. Alors là, moi, j'aimerais savoir, parce que là, on n'a pas le détail. C'est pas possible. Il nous raconte ça là, dans Le Parisien aujourd'hui. C'est Pascal Aigret, excellente journaliste. Mais là, il me manque la petite précision. C'est pourquoi le guide du routard était interdit en Tunisie. J'aimerais bien savoir et comprendre. C'est subversif. Hein. Ah, vous croyez ? Oh, bah oui, on vous fait visiter des endroits que eux-mêmes ne connaissent pas. Non, puis en plus, il y a beaucoup de combines, il y a beaucoup d'endroits malins. Et eux sont des gens, enfin, le régime précédent, c'était des gens qui voulaient qu'on fasse les choses dans l'ordre qu'il fallait. Tout ça, puis en plus, peut-être que guide du routard, ils ont compris guide du broutard. Parce qu'en Afrique du Nord, pour dire les moutons, on dit les agneaux et les broutards. On dit rarement moutons. Ah oui ? Pour l'Aïd el-Kébir, tu prends des broutards. Ah oui ? Bien sûr. Alors, le guide mais qu'est-ce que tu connais, toi ? Le guide du broutard, c'est quoi ? Alors, ce serait le guide du mouton, c'est ça ? Le guide du mouton. La troisième question va porter sur la famille Bettencourt, parce que c'est à la une du Figaro. Ça m'intéresse forcément, hein, et, évidemment. Et là, ça m'amuse plus que ça m'intéresse, parce qu'à la une du Figaro, on voit Bettencourt, mère et fille, affichent leur réconciliation. Voir page 54. Ça, c'est à la une. Alors, je me dis, il va y avoir un super papier, une demi-page là-dessus. Puis, total, je tourne les pages, j'arrive pas à trouver. Page 54, dans la rubrique Confidence, je pense que c'est Jacques Pessis, peut-être, qui fait cette rubrique. On voit effectivement juste quelques lignes. Liliane et Françoise Bettencourt affichent leur réconciliation chez Armani. Après leur longue brouille, Liliane Bettencourt et sa fille Françoise, Meyers Bettencourt, assisteront ensemble aujourd'hui, lundi donc, au défilé haute couture d'Armani, place Vendôme. Elles seront accueillies par le fondateur du groupe, Giorgio Armani, en personne. Alors là, il faut enquêter, Paul. Est-ce que le Figaro n'est pas allé un peu vite ? Est-ce que vraiment elles vont arriver ensemble ? Ou est-ce qu'elles sont chacune de leur côté invitées et qu'il y en a une qui va arriver à 17h15, l'autre à 17h30, une assise au bout de la salle, l'autre à l'autre bout ? Ouais. Bah, je veux des précisions, quoi. Oui, bon, vous voulez savoir si c'est du bluff ou pas, quoi, c'est tout. Hein ? Est-ce qu'il y a plus de pression ? Pardon, surtout que depuis la soi-disant réconciliation, chaque fois c'est la même photo. Oui. Ah ben, ça veut dire qu'il y a une seule photo où elles sont ensemble. Elles n'ont jamais, pour l'instant, été refotographiées ensemble. C'est ça que je veux savoir, en fait. C'est, est-ce que ce soir, elles vont être vraiment côte à côte et est-ce qu'on va enfin pouvoir les photographier ensemble ? Moi, je voudrais savoir surtout qui peut mesurer la connerie de ces deux bonnes femmes qui, après avoir été des repoussoirs pour la France entière avec leur richesse, leur argent, leur machin, qu'elles se réconcilient devant un café au Luxembourg. Pas dans une présentation de collection d'un couturier dont chaque robe vaut 12 briques. Non, je te jure, en Tunisie, ça se verrait pas, ça. Madame Benali faisait pas ça. Hein. Paul, vous allez appeler qui ? Vous allez appeler chez Armani, là, pour savoir ça, ou peut-être votre pote ? Oui, le milieu de la mode, je connais. Je vois très bien l'hôtel particulier où ça a lieu. Vous pouvez peut-être appeler... Je connais bien les avocats. Ouais, ou Jacques Pessis, du Figaro. Non, je vais pas appeler mon ami Jacques pour avoir une information. Je vais y aller directement moi-même, sinon vous seriez déçus. Ça vous emmerderait d'appeler Pessis, ça ? Non, mais écoutez, vous me payez pour que j'aille directement à l'information. Jacques est un bon ami. Il m'arrive même de le rencarder sous. Peut-être que la prochaine fois, je pourrais l'appeler directement. Bah oui, si vous le voulez, vous savez, dans le cadre de la nouvelle réorganisation. En ce moment, je fous un peu la pression sur tout le monde. Là, il y a de la peine, Paul, hein, le pauvre. On en parle ce soir à la réunion, Paul. Je crois que Jacques Pessis sera là. On en parle avec Jacques. Pourquoi Drucker fait une réunion ce soir ? Je crois que ça va être une charrette complète ce soir. Il a pris des risques là. Ce soir, il va peut-être y avoir des têtes qui tombent et peut-être des têtes haut placées qui vont tomber ce soir. Mais non, moi je suis tranquille de ce côté-là. On fait juste un dîner sympathique tous ensemble. On a l'impression qu'il réunit un patron de restaurant qui trouve que la cuisine est moins bonne. Il réunit les fournisseurs, tu sais, genre le boucher en ce moment, il faut faire quelque chose de mieux pour l'entrecôte. Mais de quel droit tout ça ? Moi d'abord, je suis pris. Tu me vois aller dans un dîner avec la bonne.
bande à Ruquier. Oh, la bande, j'ai jamais été de la bande à Ruquier. Ah, je suis un électron libre, une sorte de météore qui passe dans ce désert épouvantable. Tu les as choisis, les autres, hein ? Moi, on m'a imposé. Vous avez d'autres vues, alors d'autres projets, peut-être, Pierre, alors ? Non, bon. Non, mais dites-le moi, ça me facilitera la tâche. L'électron libre. L'électron super libre. Je vais, je viens. Je fais et je viens. Entre repas. Bon, sans vous contrarier, je vous salue. Ah, hein, vous êtes toujours là, vous, à tout à l'heure, avant 17h30. Allez, on se retrouve après les titres de 16h. À tout de suite. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Toujours avec Pierre Bénichoux, Fabrice Eboué, Titoff, Jérémy Michalak et Michel Bernier. Michel, je vous présente nos candidats du premier challenge. Ah oui, avec Odile plaisir. Et Mathieu, ils s'appellent. J'adore. Je vous laisse les interroger. Tiens, ça changera un peu. Bonjour Odile. Bonjour. Comment allez-vous Odile ? Ça va bien. Ça va bien ? Vous nous écoutez régulièrement ? Oui, c'est oui. Tous les jours. D'accord. Et vous habitez où ? En Belgique. En Belgique, où ça, en Belgique ? Bien sûr. À Chapelle-Aouakine, près de Tournai. Près de Tournai. Bon, d'accord. Et vous faites quoi dans la vie, Odile ? Je suis lycéenne. Ah, bon, on va pouvoir te tutoyer, alors. Toute jeune. Et vous, Mathieu ? Elle est belge, alors. Oui, elle est belge. Bah, si elle habite en Belgique, ça elle habite en Belgique à Tournai. Est-ce que vous vous faites pousser la barbe, Odile, pardon, en ce moment ? Non, pas vraiment. Il ne faut pas que ça dépasse du maillot cet été, quand même. Je veux pas que ça dépasse du maillot, moi c'est ma bande. Et Mathieu. Bonjour. Bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu est dans le Pas-de-Calais, je vous le dis. C'est vrai ? Dans le Pas-de-Calais ? Mais où ? Voilà, exactement. Mais où ? À Camier, juste à côté du Touquet Paris Plage. Vous faites quoi de beau, Mathieu ? Je suis responsable service jeunesse. Responsable service jeunesse. Joujou, tu peux tutoyer. Tu peux tutoyer. Bon, et alors on joue pour quoi aujourd'hui, Laurent ? Vous voulez savoir ? Ah bah oui. Ils vont peut-être partir, l'un ou l'autre, évidemment, au sport d'hiver à Risoul, Pierre. Ah, oui, oui, oui. Ils vont skier une semaine sur le très beau domaine de la forêt blanche. Tranquille, parce qu'il n'y a personne. Et là-bas. C'est, écoutez bien, Pierre, 185 km de piste. Et ça va jusqu'à 2750 mètres d'altitude. Ah, comment ils font pour faire 185 km ? On peut faire toutes les pistes en même temps ou pas ? La station est piétonnière. Ouais, 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 le départ on des peut pistes. Pas y aller en voiture en plus. Si, on y va, mais une fois on laisse la voiture à l'entrée. Parce qu'il y a des enfants, il y a un jardin d'enfants, il y a un snowpark. Il y a tout ce que j'aime, pas de voiture et des enfants. Et en plus il y a de l'air pur, quelle horreur. Oui, des chambres d'hôtel de 2 mètres carrés. En revanche, le restaurant qui nous a accueillis vendredi soir, l'Authentique, à l'Alpe d'Huez, l'Authentique, excellent. À l'Authentique, je vais le rappeler parce que je crains d'avoir oublié un foulard. Ah, très sympathique. Soyez gentil, Ruquier. Tiens, justement, vous cherchez toujours quoi faire dans la journée, vous n'avez rien à faire. Trouvez-moi le numéro de téléphone de l'Authentique. Ah bah, on va les appeler pour retrouver votre foulard. Alors, vous auriez laissé votre foulard à l'Authentique. Oui, je sais pas, c'est un foulard en coton jaune avec des dessins égyptiens. Ah oui. Comme ça, que j'avais acheté dans un marché, pardon. J'avais acheté dans un marché au Caire, au cours de mon dernier voyage. Oh. Je ne vais pas nous faire chier pour une écharpe achetée au souk. Oui, mais c'est une écharpe que je mettais beaucoup et qui plaisait énormément. Odile et Mathieu, vous n'ennuyez pas, j'espère. Non, ça va. On joue. De toute façon, si vous voulez en savoir plus sur Risoul, vous irez sur risoul.com et vous saurez tout sur cette station. Très conviviale, comme Europe 1, une station très conviviale. Voici la question qui va vous départager, Odile et Mathieu. C'est une profession que Louis XV a créée il y a 250 ans. Et donc, cette année, nous célébrons à nouveau cette profession. Quelle profession fut créée par Louis XV ? Vétérinaire. Wow. Vétérinaire, bravo Mathieu ! Super. Bravo, il est fort. Où est-ce que vous avez trouvé ça ? Je l'avais vu sur Internet, là, grâce à Google. Je viens de taper profession Louis XV, je suis tombé sur vétérinaire. Ouais, exactement, le 4 août. Profession Louis XV, ils mettent pas roi. Louis XV a eu cette initiative destinée à mieux comprendre les médecins et surtout à créer une école vétérinaire. Et c'est vrai qu'avant, il n'y en avait pas. Avant, c'était les gens de la campagne qui soignaient les animaux. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Ça vous paraît peu probable, ce que je vous raconte ? Pas du tout. Ça m'étonne que cette profession ne soit née si tard. Non, jusque-là,
en fait, faut le dire, les animaux étaient soignés par les comment on appelle ça, les maréchaux ferrants, voilà. Vous voyez, ah, et oui. C'est eux qui faisaient ça, voilà, c'était leur job, quoi. Il n'y avait pas un médecin pour animaux. Ils s'en foutaient. Oui. Il les mangeait après. Au... C'est vrai, en même temps. Oui, vous n'allez pas soigner un Yorkshire, il n'y en avait pas, je pense. C'est vrai que les chiens. Ah, c'est une bonne question, ça. Quand le Yorkshire est-il arrivé sur Terre? Mais non, mais vous avez raison. Mais en c'est même temps que Belmondo, je crois. Mais non, mais avec Louis XV. Grâce à Louis XV. Mais oui, parce que Louis XV a commencé aussi à développer le côté soit animaux domestiques. Oui, il faut cette l'adoration que je trouve moi-même grotesque pour les animaux est née sûrement avec la prolifération des animaux domestiques. Le mémère a saché un chien. Qu'est-ce qu'il a tout mangé comme don? Il a bu du lait, le petit. Tout ça. Et alors évidemment, les malheureux à la campagne, qui comme vous le savez, les paysans, soi-disant la vie naturelle, traitent les animaux comme personne, comme aucun tortionnaire au monde ne le ferait. Oui, je veux dire, les paysans... Mais ils les traitent comme des bêtes, ouais. Absolument. Ils les traitent comme des bêtes. Il y a qu'en ville, on dit, bon, non, le beau petit, il a eu le truc avec Brigitte et tout. Bon. Oh, ton infirmière t'en parle comme ça aussi, Pierre. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Non, j'entends pas. Mais de quoi parce que le casque. Il a pas mis son casque sur ses oreilles. Non, tu dois être sur une tonalité, je te jure. Bien sûr. Il y a des fréquences qui passent. On a pourtant des dialectes assez proches tous les deux. Et ça y est, c'est parti. J'ai cru longtemps. Puis... C'est pratique. On captez pas dire. RFI alors. Mais c'est pas mal. C'est pratique de dire à quelqu'un, je te comprends pas quoi. Il n'y a plus de dialogue, c'est mais non, fini. Mais non, parce que quand je l'entends devant un poste de télévision, je le trouve formidablement drôle. Quand je l'entends à la radio aussi, les émissions où je ne suis pas, que j'entends après, je trouve très drôle. Et dès qu'il est avec moi, alors, comme en général, il essaye de me dire du mal de moi, tout ça, je préférerais entendre. Mathieu, pas, c'est vous qui partez à Risoul, évidemment, pour une semaine. Avec qui vous partez? Mais en fait, je pense que je vais offrir le séjour à mes parents. Oh, bah ça, c'est sympa. Alors, pour que j'ai du mal à avoir des vacances et ma fiancée aussi, donc je pense que pour mes parents, ça leur fera le plus grand plaisir. Comment ils s'appellent, vos parents? C'est Jocelyne et Michel. Eh ben voilà, pour Jocelyne et Michel, une semaine au sport d'hiver à Risoul, dans le domaine de la Forêt Blanche. Quant à Odile, désolé, ce sera pour la prochaine fois. Oui, oui. Oh, bah, oh là là, vous avez l'air toute déçue, Odile. Bah, un peu quand même. Ah, bah ouais. Qu'est-ce qu'on elle peut faire? Une occasion de quitter la Belgique. Je vais si jouer en Belgique l'année prochaine, je sais pas quand, mais je t'invite. Dès qu'on joue en Belgique, voilà. On vous invite, voilà. Odile. Je crois qu'elle préférait qu'on lui offre un gouvernement. Ouais. Ou une fausse barbe. On vous embrasse, Odile, même si ça pique un peu. Raison précise, la presse nous emmène-t-elle aujourd'hui dans les couloirs du château de Hayon? Un château qui est en vente? Non, du tout. C'est en France, Hayon? Oui. On y vend quelque chose? Pas du tout. Est-ce que c'est là où Sarkozy va faire sa conférence de presse? Non, du tout. Non. Comment ça s'écrit, Hayon? Hayon, H-A-I-2-L-A-N. C'est là, c'est le château où Louis XV a créé le métier de vétérinaire. Pas du tout, monsieur Titoff. Est-ce qu'on y expose? Pas du tout. On y expose des œuvres? Non, pas vraiment. Non. C'est dans quel coin? Ah ben, je vais pas vous aider trop. Ah, c'est un château qui a été racheté par une dame qui en fait des. Jacqueline Maillan, oui. Je vous vois venir. J'ai vu en reportant à la télévision sur un château qui avait été réaménagé par une dame où venaient des personnes âgées et vivaient tous convivialement dans ce château. Non, c'est pas ça. Ça a à voir avec une activité artistique? Non, toute la presse, hein, je compte 1, 2, 3, au moins 4 articles. Dans tous les journaux, aujourd'hui, on nous emmène dans les couloirs du château de Hayon. C'est encore un château de Bocassa? Non. Est-ce que c'est pas un château que vous avez loué pour nos vacances de la bande à Ruquier cet été encore? Pas du tout. Ah. Les vacances de la bande à Ruquier. C'est pas le château de Ben Ali? Non, non plus. Il n'a pas de château, Ben Ali. C'est un château qui est habité encore? Oui, quand même, il y a de la vie. C'est un vrai château. Il y a plus d'espoir que de vie en ce moment, mais bon. C'est un vrai château? Plus d'espoir. Je ne suis pas sûr que ce soit un vrai château. Est-ce que c'est un château style de la Starac, un truc comme ça? Oui, c'est plutôt ce genre-là, mais c'est pas la Starac. C'est une histoire de vin? Non, non. Et je suis surpris que certains autour de la table ne trouvent pas. Ah, c'est une émission de télé-réalité? Pas du tout.
Alors non, ça... Certains autour de la table, lesquels ? Ah bah non, si je vous dis qui, alors après c'est trop facile parce qu'évidemment, Dej Dig, je sais pas moi. Ah oui, alors on va voir si c'est moi ou pas. Il y a, un match de foot qui se prépare ou pas ? Il y a des. Non, mais attendez, je pose une question. C'est lié au foot. D'accord, alors c'est moi qui devais trouver. Si ça avait été un club gay. C'est là où va habiter l'équipe du Brésil ? Pas du tout. C'est là où va faire sa convalescence un footballeur. Alors c'est l'équipe de France ? C'est un hôtel dans lequel vont être logés les joueurs ? Non, j'ai parlé des couloirs du château de Hayan. C'est Laurent Blanc ? Non, mais il les a connus, les couloirs du château de Hayan, Laurent Blanc. Bon, ça concerne un club ? Oui, je peux pas en dire plus. Là, je vous ai donné la réponse quasiment. C'est à côté de Bordeaux. Oui, et alors ? Mais bien sûr. Et ben, c'est là que l'équipe de Bordeaux, qui en ce moment a beaucoup de déconvenus, va essayer de retrouver une seconde jeunesse. Non. Alors, ils se sont préparés là-bas pour le match de la Coupe de France qu'ils ont perdu. Ils vont se remettre sur pied. Ils vont affronter Lille. Ils vont affronter Lille cette semaine. Et de ce match-là, de la victoire ou de la défaite, dépendra la survie de Tigana. Là, on se rapproche. Plus précis. Ah, c'est Tigana qui habite. Il a du vin. Tigana, il a une exploitation. Mais non, c'est les bureaux qui abritent les. Enfin, c'est le château qui abrite les bureaux de l'équipe. C'est comme la commanderie à Marseille. Quoi. Exactement. Tout simplement, c'est là où s'entraîne où a lieu le siège administratif Bordeaux, le château du Hayan, au cœur du site exceptionnel de la plaine du Hayan. C'est le siège administratif du FC Girondins de Bordeaux. Donc, alors maintenant, vous allez me répondre à la question. Pourquoi parle-t-on beaucoup des couloirs du château de Hayan aujourd'hui dans la presse? Parce que c'est là que se joue le destin de Tigana. C'est là qu'effectivement on raconte des bruits de couloir sur Jean Tigana qui va sûrement être viré de Bordeaux. Bonne réponse collective, mais difficile. Je pensais quand même que vous connaissiez château de Hayan. Il y en a un qui s'est rapproché quand même. Tigana, c'est pas un bon entraîneur, Pierre, vous qui dites. Si, il est bon, Tigana, bien sûr. Qu'est-ce qui lui arrive là-bas à Bordeaux C'est bien avec les entraîneurs, maintenant, dès qu'on perd deux matchs, on est viré. Alors, c'est formidable, c'est comme si ici, il y avait un type qui avait un peu moins d'audience, pof, il est viré. C'est pas peu. Au bout de deux jours, on laisse pas sa chance aux gens. Qu'est-ce que je ferais pas pour garder ma place dans cette bande ? Je suis quand même surpris que vous connaissiez pas le château du Hayan, là. Parce que quand même, c'est vraiment là où tous y s'entraînent. Hein. C'est le centre professionnel de Bordeaux, quoi. T'as le château et t'as les terrains devant. Ah oui, il y a 850 mètres carrés de surface, un terrain synthétique, un terrain naturel, un vestiaire, 30 casiers, un secteur balnéo, douche à fusion, piscine à GMR. Il y a une semaine à gagner là-bas ou pas ? On paye ses journées ou pas ? Non, mais l'abrutissement français, on arrive là. C'est que non seulement c'est abruti, pas obsédé par le football, mais maintenant, il faut connaître par cœur le nom des patelins où ces milliardaires asexués, complètement analphabètes, vont s'entraîner. Et Angers, ils s'entraînent où ? Oh merde, t'avais pas révisé ? Ben non, j'avais fait l'impasse sur l'entraînement d'Angers. Non mais je te jure, oublions tout ça. Parlez-moi de grands auteurs comme Céline, comme machin, tout ça. Je vais plutôt vous parler alors de Raphaël Élysée. Une place en son hommage a été inaugurée au Mans ce week-end. Mais qui était Raphaël Élysée ? Le chanteur ? Non, Raphaël Élysée au Mans. A eu droit à une place au Mans ce week-end. Une place en son hommage. Mais voilà. Il a inventé quelque chose ? Non. Il est de la famille de Stevie Boulet ? Non. C'est pas l'auteur de Oui Oui qui a collaboré pendant la Seconde Guerre mondiale ? Non. C'est le premier fabricant de rillettes ? Non. C'est un écrivain ? Non. C'était un élu. C'était un élu. Il a été maire de Sablé-sur-Sarthe, pour tout c'est dire. Est-ce qu'il y a un rapport avec les 24 heures du Mans ? Du tout. Avec la... Je peux même vous dire quand ? Entre 1929 et 1940. Donc c'était l'ancêtre de M. Fillon. C'est-à-dire ? C'était le grand-père de M. Fillon. Ah non. Ah bah tant pis. Mais ce serait une surprise. Hein. Il a inventé une loi, Il a été arrêté pour fait de résistance en 1943 et déporté à Buchenwald où il est mort en plus. Donc c'est une vraie... Il était temps de lui faire un truc. C'est une raison supplémentaire évidemment pour lui donner une place. Mais c'est pas la seule raison. C'est un rapport avec la SNCF ? Non. Parce que les voies, il y a des problèmes sur cette voie-là. Donc non. À l'époque, il n'y en avait pas manifestement. Oui, mais alors justement, ils ont créé une nouvelle voie et ils vont l'appeler... que la SNCF a jamais aussi bien marché que pendant la guerre. Quelle horreur. Oh
Oh là là. Bon, dites, c'est pas... Alors, mais reformulez la question, là, s'il vous plaît, Laurent. Ben, il a effectivement une particularité, ce maire, monsieur Raphaël Élisée, qui fait que, ben, il était quand même temps qu'on lui rende hommage en inaugurant une place ce week-end. Ça a été fait au Mans, alors qu'il n'était pas maire du Mans, hein, il était maire de Sablé-sur-Sarthe. Mais ça a à voir avec le Mans directement ou avec la France ? Avec, c'est effectivement quelque chose qui a à voir avec la France en général. Ça a à voir avec la guerre ? Pas, ben ça, je vous ai dit déjà. Il a été effectivement déporté. Est-ce qu'il a sauvé des gens avant d'être déporté ? Non, c'est pas pour ça qu'on lui donne... Est-ce que c'est à cause de son nom ? Ça aurait pu être une raison suffisante pour qu'il ait une place, vous me direz, mais c'est pas la seule raison. Est-ce que c'est à cause de son nom, Élisée ? Non, Raphaël Élisée, c'est vrai que c'est un joli nom, qui peut-être pourrait vous mettre sur la piste, notez bien. Est-ce qu'il y a des personnes célèbres qui sont venues à l'inauguration ? Oh bah forcément, oui. Non mais qu'on connaît, j'en sais rien, des politiques qui seraient venus... Peut-être. Est-ce que c'est un rapport avec l'Élysée ? Non. Un rapport avec Champs-Élysées, voilà, l'émission de Michel Drucker. Non. Non, mais s'il y a bien quelqu'un autour de la table qui devrait trouver, alors je vais vous dire. Ah, il y en a encore un qui est concerné ? Oui. Bon, moi j'ai passé mon tour, c'est bon. Là, je suis peinard sur cette question. Eh oui, les gars, vous déconnez là. Raphaël Élisée, c'est un nom qui m'a l'air. C'est un rare les gens qui s'appelaient Élisée, c'était un prénom d'habitude. Et que Élisée soit un nom de famille. Il ne doit pas y en avoir beaucoup. C'est peut-être quelqu'un qui venait des colonies, comme on disait à l'époque. Ah, et alors ? Alors, il était et noir. Alors, c'est le premier noir qui a été... Le premier maire. Excellente réponse de Pierre Benichoux. J'ai pensé à un moment donné. C'est le premier maire noir de France. Ah, ouais. Et je me demande bien qui aurait dû trouver autour de la table. Oui, alors ça, on se demande. Bon, non, mais... Ça a été le premier maire noir de France, Raphaël Élisée. Ce week-end seulement, une place a été inaugurée en sa mémoire, puisqu'en plus, effectivement, il fut résistant, déporté et mort à Buchenwald. Raphaël Élisée, il y a une place désormais, Raphaël Élisée, au Mans. Bon esprit de déduction quand même, Pierre, pas mal, là, je dois dire. Et alors, monsieur Éboué, en plus, quand on s'appelle Éboué, franchement, Rien, moi, c'est plus la génération de Pierre, ça va, ça. Mais voilà, c'est vrai que vous avez quand même des ancêtres. C'est pas des ancêtres, un arrière-grand-père qui était. Ah, c'est moi qui vais déduire ça. Félix Éboué. Éboué, premier résistant de l'Union française. Je n'ai rien à voir avec monsieur Félix Éboué. Est-ce que je t'associe à Benichou le boxeur, moi? C'est toi qui m'as dit que t'étais parent. Éboué vainqueur par KO. Parmi les témoignages le concernant, on peut lire « Il restera comme le mec qui a donné le plus grand écho à sa propre histoire » ou bien « C'est un faussaire, je lui dis adieu ». De qui s'agit-il ? M. Pokora ? Non. L'autre, il connaît que les Energy Awards. Il tutoie l'éditeur. Il veut faire John. On parle de faussaire. Il a 35 balais, il veut faire John. Non, j'ai 48 ans. Allez-y. Non, mais on parlait de faussaire. Et comme on dit que les élections sont peut-être truquées, j'ai pensé à M. Pokora. Donc c'est quelqu'un qui vient nous quitter là. Qui a donné le plus d'écho à sa propre histoire. Ou c'est un type à qui on dit adieu faussaire. C'est quelqu'un qui vient de démissionner d'un poste. On a interrogé des tas de personnes. Et parmi les témoignages recueillis, j'ai pas pris les plus durs. Bon, puis il y en a que j'ai pas pu prendre parce que vous auriez deviné tout de suite de qui il s'agissait. Donc j'ai pris ces deux-là, témoignages, qui sont déjà quand même pas mal. Il restera comme le mec qui a donné le plus grand écho à sa propre histoire. Puis autre témoignage, c'est un faussaire. Je lui dis adieu. Et il est encore en vie. C'est quelqu'un qui a quitté un poste, donc. On peut dire ça comme ça. Ou qui va pas tarder à le quitter. Pierre Benichoux ? Non. C'est quelqu'un qui a arrêté une activité. Oui, voilà, on peut dire ça. Bravo, Michel. Retraite ? Oui, une sorte de retraite, effectivement. C'est un politique. Départ en retraite, vous pouvez dire ça. Un politique ? C'est pas un politique. Un chanteur ? C'est pas un chanteur non plus. Un écrivain ? Non plus, madame. Un journaliste ? Non plus. Est-ce qu'il est français ? Il est pas français, monsieur. Ah, voilà. Oh, il est américain. Et il est américain, monsieur. Ah oui, bien sûr. Un politique. C'est pas un politique américain. Un sportif ? T'es un sportif, Titoff. C'est un sportif, Titoff, parce que... Oui. Qu'il n'y ait pas de méprise. C'est un sportif. C'est Lance Armstrong. Lance Armstrong, bonne réponse de Fabrice Éboué. Lance Armstrong décroche, il prend sa retraite. Ouais, cette fois vainqueur du Tour,
se vante d'avoir révolutionné le cyclisme. Alors Libé fait une petite enquête et demande à différents, on va dire, personnages, différentes figures du cyclisme français ce qu'ils en pensent, et ils sont pas d'accord du tout. Par exemple, Cyril Guimard, qui est directeur sportif, ex-coureur lui-même, dit « Révolutionnaire, Armstrong, à le lire, j'ai l'impression qu'il a inventé le fil à couper le beurre et l'eau chaude. » Et la plupart disent surtout qu'il a inventé le dopage. Ah bah si. C'est une nouvelle histoire encore. C'est pas très tendre en tout cas. Ouais, je veux dire les dopages qu'il y a dans Libé aujourd'hui sur Lance Armstrong. Non mais c'est vrai qu'on entend les défenseurs d'Armstrong qui disent qu'il ne s'est jamais dopé. Donc Armstrong ne serait pas le plus dopé des coureurs, mais le seul coureur à ne s'être pas dopé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, non. Oui, bien sûr. C'est ridicule, enfin ils sont tous dopés, c'est une bande de camés, c'est évident, et qui ont choisi d'ailleurs de mourir à 40 ans pour prendre un peu d'oseille, pour échapper à leur destin de prolétaire, c'est tout. C'est la société qui est fautive dans tout ça. Eh ben t'auras pas besoin de le virer, l'antenne va s'en charger tout seul. Parlons plutôt d'une tisane. Une tisane qui a choqué certaines personnes. Une verveine. Une verveine vendue chez Monoprix. Pourquoi a-t-elle choqué les salariés de chez Monoprix? C'est le nom qui est choquant? Bah oui et non, parce qu'il n'y a pas de nom à cette tisane. Alors non, alors. C'est parce qu'ils mettent des petites phrases, non, sur les sachets, non? Ah, oui, vous êtes allé chez Monoprix, vous? Ben non, mais j'ai entendu parler de ces petites phrases. Alors, expliquez. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont mis des petites phrases qui veulent, c'est pour faire vendre, quoi, un petit peu des produits. Genre, on en avait parlé ici, d'ailleurs, on avait monsieur de la pub de chez... Non, une dame. Publicité décalée absolument grotesque. Voilà, oui. Sur les haricots blancs, c'est écrit, on a tous un côté faillot. Voilà. Donc c'est ça. Voilà. Et donc, sur le c'est les sachets de tisane, là, ça doit être... À poil. Le boudin, il y a marqué. Voilà, bon, c'est, bon, voilà, c'est censé faire rire. En tout cas, c'est le relooking. C'est censé être de bon goût. Donc. Voilà. Et à poil le boudin, franchement. J'imagine le mec en réunion, en briefing de pub. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à poil le boudin? Non, à poil la saucisse. Ouais, je sais pas. Ouais. Combien tu prends par mois pour trouver ça, toi? Bah, je sais plus. Ou tiens, voilà du boudin. Ouais. Bah, en tout cas, voilà. Alors, c'est la tisane, il doit y avoir. Donc, il n'y a pas de marque puisque ce sont des produits. Monoprix. Voilà, alors, comme chez Carrefour, il y a les produits Carrefour. Bon, voilà. Sur la tisane, il y avait écrit quoi? Il y avait écrit verveine, infusion, 25 sachets, plus une phrase qui a provoqué la zizanie chez Monoprix. Le plus con, c'est celui qui le vend? Non. C'est écrit verveine, l'infusion qui. Qui fait dormir? Non. Ça rime avec infusion? Comment avec... ça? Ce qu'on cherche, la phrase. Avec verveine. Ah, est-ce que ça rime? Moi non plus, je comprends pas tout ce qu'il dit. Pierre, vous avez ça raison. Ça rime avec infusion. Note-le pour la réunion. Ça rime avec infusion ou verveine? C'est un genre des cours d'orthophoniste à prendre. Ça rime. Ça rime. Ça rime. Ah ouais, c'est vrai que toi, t'es vachement audible, putain. Ça rime ni avec infusion ni avec verveine. Non, mais ça rime. Ça rime à rien, je dois dire. Il y a un rapport avec Grume, là, tu t'es balancé, je crois. Donc ça a à voir avec les gens qui travaillent chez Monoprix. Parce que c'est pas les clients qui sont mécontents. Ah, c'est les employés. C'est les employés qui installent les paquets de verveine qui sont pas contents. Bah, c'est un truc. C'est cher. C'est très cher. Je vous raconte même le début de l'article parce que c'est assez raconté assez de façon amusante, je veux dire, par Valérie Acco dans le Parisien, c'était il y a quelques jours. Ça commence comme ça. La verveine sème la zizanie chez Monoprix. Voilà. La verveine vendue sous la marque Monoprix fait grincer des dents des clients et des employés. Sur chaque paquet, un slogan embarrassant. Et voilà comment commence l'article. Ça me fait rire, ça commence comme ça. Catherine, viens voir tout de suite! Béatrice, magasinière au Monoprix de l'avenue Gambetta dans le 20e, plisse les yeux et relit à haute voix, incrédule, le slogan qui barre le paquet de 25 sachets de verveine commercialisés. L'infusion qui quoi? Qui rend con. Qui fait dormir les gosses. La fusion qui rend con, je suis pas sûr qu'ils en vendraient beaucoup, vous voyez. C'est censé être plutôt positif, évidemment. Ah, mais c'est maladroit. La tisane, généralement, d'ailleurs, c'est... D'ailleurs, je me demande si autour de cette table, vous devriez pas en France. Qui réveille la... non, qui non. Repose bien après un boulot de merde. On se rapproche. On se rapproche. Ah, genre la tisane que la caissière de Monoprix va prendre chez elle pour se décontracter. Ça intéressera plus Pierre Bénichou, vous voyez. Qui endort. Non, c'est plus. C'est une phrase carrément. Ouais, c'est la fusion qui. Qui vous met en boîte. Non. Qui fait chier. Qui fait bien dormir la nuit pour les. Non. Qui réveille. Non, c'est les salariés qui sont pas contents. Généralement, ils sont pas contents. Pourquoi les salariés?
Parce qu'ils travaillent trop. Ils travaillent trop ou ils sont pas bien payés? Ils sont pas assez payés. La tisane trop chère? Non, alors l'infusion qui... Que même les salariés de Monoprix vont pouvoir se payer. Non. Mais c'est presque ça. C'est l'infusion qui... riche. Qui vous fait, l'infusion qui vous fait... oublier vos problèmes d'argent. Oui, alors voilà, ça, vous avez le début. L'infusion qui vous fait oublier... Que vous êtes pauvre. Non. Votre métier de merde. Non. Votre misère. Non. Que... Qu'il va y avoir la queue que à la caisse. Que Monoprix vous encule. Non. T'as loupé ta carrière, c'était la pub en fait. T'aurais dû danser là-dedans plus jeune. L'infusion qui vous fait oublier que vous avez dit d'ailleurs. Que vous êtes exploité, c'est ça. Et ça vous est arrivé, vous aussi, depuis de nombreuses années ici, Pierre Benichou le rappelle. Que vous vous faites endormir. Que vous n'êtes pas réveillé. L'infusion qui vous fait oublier que. Qu'il faut se réveiller. Que vos salaires sont trop bas. Que cette année. Oui, donc que. Que vous allez être viré. Non, donc que. Que vous allez être viré. Viré. Non! C'est lié au salaire, je vous dis. Que vous n'allez pas, être augmenté. L'infusion qui vous fait oublier qu'on ne vous a pas augmenté cette année. Ah. Voilà ce qui est écrit sur les paquets de verveine Monoprix. C'est, ouais. C'est nul, ça. Alors, tu comprends? Non, mais la bonne réponse, c'était Fabrice qui l'avait fait. <finalement. rire> Bonne réponse collective, on va dire. Non, mais... C'est vrai que c'est un peu maladroit, évidemment. L'infusion qui vous fait oublier qu'on ne vous a pas augmenté cette année. Alors évidemment, la phrase, elle est destinée aux clients. Sauf que les filles chez Monoprix, quand elles installent les paquets, ça ne leur fait pas spécialement plaisir. Bien sûr. D'autant qu'elles n'ont pas été augmentées cette année, les filles chez Monoprix. Voilà. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs, Béatrice. Ce qui est drôle, c'est... Le prénom a été changé, hein, ils le disent à la fin. Oh, ouais. Alors ça, je ne comprends jamais, là, parce que nous, on ne la connaît pas, qui change le prénom, qui ne change pas le prénom. Ils auraient mis Jacqueline, Béatrice ou Bernadette. Oui, mais c'est parce qu'elle n'a pas envie d'avoir une verveine qui lui fera oublier qu'elle va être virée, tu vois. Ça. Mais c'est sûr, oui. Parce que ses patrons, eux, ils se rappellent de son prénom, Béatrice. Voilà. 2000 produits de la marque Monoprix ont été relookés. Les autres ne posent pas problème, ça fait plutôt marrer les clients, c'est vrai. Sauf la verveine avec ce slogan, l'infusion qui vous fait oublier qu'on ne vous a pas augmenté cette année. Mais ça sentait le dérapage, puisqu'on sentait qu'ils s'amusaient comme des petits fous avec ce truc de communication. Ils pensent toujours là, à celui qui achète et pas à celui qui travaille dans l'entreprise. Vous croyez qu'on les trouve dans les Daily Monop, ces produits-là aussi? Parce qu'à Paris, c'est pour draguer le Daily Monop, non? Bien sûr. C'est pour draguer le Daily Monop. Ouais, parce que c'est ouvert tard, c'est pour les gens qui finissent de bosser tard, qui n'ont pas d'enfants, pas de famille, et qui sortent du bureau. C'est pour les dépressifs. Les gens passent 3 heures, ils tournent dans le magasin. Ils tournent dans le magasin. Qu'est-ce que je prends? Des sushis ou un sandwich? Finalement, je vais prendre juste des préservatifs. Oh, je vais prendre l'infusion qui me fait oublier que j'ai pas été baisé cette année. Ah, puis je vais prendre le boudin à poil, ça va me remonter le moral. Ouais, je vais prendre l'infusion qui fait mal au fion. Allez, d'autres questions dans un instant. Et Jean-Claude ont travaillé pendant longtemps ensemble, mais là ils s'engueulent par voie de presse. Oui. De qui s'agit-il? C'est Jean-Claude Camus, Gilbert Couillier. Bonne réponse, c'était facile. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Gilbert et Jean-Claude ont lancé comme un défi. Parce que Jean-Claude Camus, ils ont travaillé tous les deux avec Johnny qui? Hallyday, évidemment. Voilà, bien joué. Bonne et ils ont même été à un moment Camus Couillier. Qui a raison, Camus ou Couillier? Oh, bah, moi, c'est Coulier qui a gagné, c'est Coulier qui a raison. Bah, ça, c'est quand même assez. Non, mais c'est sûrement Coulier. Parce que Camus s'est mal conduit pour le. C'est mal conduit pour le. La maladie de Johnny, quand il a raconté que les médecins américains disaient que Johnny avait été charcuté, massacré, alors que les médecins américains n'avaient jamais rien dit de tel pour pouvoir toucher les assurances. Je trouve ça honteux. Et Coulier, il a pris un risque absolument énorme de prendre Johnny Hallyday, tu te rends compte? Moi, tu me dirais à l'œil, Johnny Hallyday, je ne le prendrais pas, moi. Ce chanteur régional, quand même, c'est pas... Puis Camus a été dégueulasse, c'est quand il a dit « c'est moi qui ai jeté l'éponge ». Je trouve que c'est pas... Là, il parlait de Johnny. C'est pas très sympa pour Johnny. Non, c'est vrai. Je pense qu'il l'a fait exprès, vous croyez pas? Non, il l'a fait exprès. Oh, franchement. Je crois que c'est calculé, ça. Surtout que dans une interview au journal du dimanche d'hier... Quand Camus affirme que c'est lui qui a jeté l'éponge et pas Johnny, il ment. Voilà. Bon. En tout cas, il a une nouvelle hanche. Ça faisait 25 ans. Ah, waouh, il va pouvoir twister, là. Ouais. Ça faisait 25 ans qu'il avait sa hanche. Sa vieille hanche. Sa prothèse. Et qu'est-ce qu'elle est devenue, celle que tu lui as enlevée?
Ils l'ont mis sur eBay à vendre ou quelque chose, peut-être, non? Peut-être qu'il y a la vieille prothèse de Johnny en vente. Mais pour les fans, pour les fans. Mains sur ta hanche. Chanter ça maintenant. Mais c'est vrai, c'était temps de la changer quand même. Oui, on s'inquiétait surtout. Moi, je la change tous les 10 ans à peu près. Change de bagnole tous les 2 ans, de hanche tous les 10 ans. Et de femme tous les 3 mois. Johnny, en tout cas, était de nouveau opéré de ça. Hanche. On a tous les repères. C'est assez amusant, ça. Il y avait du monde, alors. On a le nom du chirurgien. À l'opération ou pas? Non, on n'a pas le nom. C'est, pas c'est marrant, il dit plus son nom maintenant. Ouais, ça y est. Mais vous avez vu, pas d'anesthésie générale. Ça, j'y comment crois ça, pas d'anesthésie générale? Avec tout ce qu'il boit, c'est pas nécessaire. Eh ben non. Ah, c'est pas vrai. Il a été opéré sous, il a été apéro. Il a été opéré par au bar il a été opéré par Jack Daniel's. Il a été opéré sous péridural, mais ah ouais. Pas, et alors et il combien, a accouché ou pas? Et combien il pesait le petit? Bah, je vous jure, moi, je vous dis ce qui est écrit enfin. Non, mais c'est vrai maintenant de plus en plus c'est grand comme ça. Ça non, ben, le grand Gérard Miller aussi se fait opérer du poignet comme ça, ben, anesthésie du bras. Moi je me fais anesthésie générale que pour chez le pédicure parce que ça me fait un peu mal, mais pour tout ce qui est grève du cœur. Non, c'est vrai, sous péridural, ça suffit. Grève du foie, vous voulez, on va vous endormir. Non, monsieur. Non, monsieur. Tandis que moi, quand M. Torgemann me coupe les ongles, alors là, je mets deux jours. Monsieur qui vous coupe les ongles? M. Torgemann. Vous n'êtes pas chez une femme? Vous faites tripoter les pieds par un homme. Ouais. Ça, alors. Ben, c'est pas mal. Oh, le vicieux. Chacun, mais je me fais tripoter la bite par des femmes, c'est pas comme tout le monde. Oh. Tu fais pas chez les Asiatiques? Pardon. Oh non, écoute, je sais pas. Non, mais c'est vrai, je me fais tripoter les pieds par un homme. Je la dis pas qu'il me traite de tante parce que j'ai un pédicure masculin. Non, mais ça va pas, non. On va pas écouter Johnny. On va pas écouter Mathieu Chédid qui a travaillé sur le dernier album de Johnny. On peut écouter Jennifer et Matt Pokora. Non, mais plutôt le papa de Mathieu parce que son album est super très réussi. Oui. Louis Chédid. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Voilà, toujours en vente. Europe 1, on va se gêner. Do-ré-mi fa-si. Do-ré-mi fa-si. Liado. Bonjour Serge. Salut Laurent, bonjour à tous. Des chansons qui se ressemblent sur Europe 1 cet après-midi. Et c'est la chanson de James Blunt qu'on entend pas mal en ce moment, Stay the Night, que vous aviez envie de comparer. Oui, parce que ce refrain me rappelait quelque chose. Et c'était en fait, elle est connue aussi bien sûr, c'est la chanson de Nathalie Imbruglia. C'est Torn qui date de 1997. Oui. Oh, un énorme tube, il y a 13 ans. Et entre cette chanson-là et celle de James Blunt, il y a aussi une chanson qui date de 2003. C'était une certaine Hilary Duff qui a chanté ça. Ça s'appelait Anywhere But Here. Ah oui. Et c'était... elle s'est fait connaître dans des séries chez Disney. Elle a commencé à tourner à l'âge de 6 ans, etc. C'est son mari John, surtout. qui a arrêté de la faire tourner. Non, John Duff. John Duff. John Duff. Donc voilà ce qui... Moi, je pense que je vais organiser une réunion ce soir. J'ai pas entendu John quoi. C'est pas grave. Mais là, pardon, mais c'est un peu toute l'équipe que tu entends plus, je crois. Ça fait un bon slogan sur une boîte d'œufs. Hein. Nathalie Imbruglia, Hilary Duff et James Blunt. Tout ça, ça se ressemble, paraît-il. On va vérifier. 1. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. Wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're a little late. I'm already torn. Falling through the door. Flying across the floor. When you look at me, suddenly it's clear you're burning up my dreams. Crazy as it seems, I don't wanna be anywhere but here. 3. And if this is what we've got, then what we've got is gold. We're shining bright and I want you to know. The moon is on its way, our friends will say goodbye. Stay the night. I'm all out of faith. This is how I feel. Wide awake and I can see the perfect sky. This time, falling through the door, flying across the floor. When you look at me, suddenly it's clear. What? The moon is on its way. Our friends will say goodbye. There's nowhere else to go. I hope that you're
c'est pas mal, on va dire que c'est bravo. Du bon travail. Pour un lundi, c'est pas mal. Hein. Merci. Bravo, bravo. Vous bravo, avez du doux. Moi, depuis que tu fais cette rubrique, c'est la première fois que je trouve que ça se ressemble. Bah, c'est la première fois que tu l'écoutes. Vous venez à la réunion ce soir, Serge ? D'accord, sans problème. N'oublie pas la guitare. Ah bah oui, ce serait sympa, tiens. Ah bah oui, ah oui, venez avec votre guitare. Tu chanteras, voilà, c'est fini. Qu'est-ce qui va se passer à cette réunion ? Non mais dites-moi, mon petit Dragano, oui, mon cher Pierre. Vous faites toujours des chansons dont on se fout, puisqu'on n'écoutera pas parlez pour vous. Plus le premier que le deuxième que le troisième chanteur. Donc en revanche. Mais si, enfin, il y a que vous qui connaissiez pas Nathalie Imbruglia qui a fait un énorme tube avec cette chanson. Ça, James Blunt n'est pas très connu non plus. Et John Duff. Dis-moi, alors, oui. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en écoutant l'autre jour, en attendant notre ami Ruquier pour On n'est pas couché, j'entendais l'émission de Sabatier où il chante une chanson qui est un tube, comme toutes ses chansons et tout ça, où je crois que la moitié de la chanson est piquée et est décalquée entièrement sur une vieille chanson espagnole, enfin une vieille chanson, une chanson juste de l'avant-guerre, qui s'appelle La Violetera. Et t'as pas señorita. T'as pas le portable. La Violetera. Quelle chanson ressemble à ça? Laquelle aussi? Bah, celle qui chantait l'autre soir à tue-tête, là, avec je sais pas qui. Ah bah ça nous aide, ça. Mais là, il en a fait 3 ou 4, pas plus. C'est pas fait tourner les serviettes, c'est pas. C'est Patrick Sébastien. Oui, Sébastien. Il a dit Sabatier. Mais non, c'est Sabatier, t'as dit. Oui, mais on ne regarde pas Sabatier en attendant Ruquier. Non. On regarde parfois, Sébastien. Oui. Non, mais c'est une citation, Pierre. Il l'a souvent fait, Patrick Sébastien. Non, le mieux, c'est que vous vous échangez vos portables et puis vous vous rappelez, genre en antenne, tu vois. Vous voyez ça ce soir ensemble. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Serge. Pourquoi Joujou risque-t-il de trouver du travail au 23 des Champs-Élysées ? Une boutique pour les nains ? Il cherche des vendeurs de petite taille ? Ah non, mais justement, effectivement. Ah, voyez, moi, je suis plus gentil avec vous que ça. Alors, gens de petites personnes. Boutique de garçonnets. C'est-à-dire ? Ah non, ça doit être pour les stylés beaux gosses, un truc comme ça, les mannequins. Qu'est-ce qui va ouvrir au 23 des Champs-Élysées ? Le Abercrombie & Fitch ? Ah oui, Abercrombie, ça y est. Il va falloir que je me mette torse nu à l'entrée. Et voilà, vous allez pouvoir être torse nu à l'entrée. Entrez, Jérémy Michalak. Et quand est-ce qu'ils ouvrent ? Je l'ai lu, j'y ai pas cru. Ah, allez-y, expliquez. Que le Abercrombie & Fitch fait à Paris une boutique où les vendeurs seront torse nus. C'est comme ça à New York et à Londres. Mais ça va puer là-dedans. Ça sent mauvais. Non, il y a des tonnes de parfums. Il y a du parfum là-dedans. C'est horrible. Ça sent l'extérieur. Même mais ça ouvre quand, Laurent ? Surtout les jeunes, ça pue. Michel, vos enfants sont intéressés ? Oh, bah, merde. Vos enfants sont des preppies ? Je sais pas ce qu'ils sont. Moi, je peux pas y quoi ? Des preppies. J'ai compris prépus. Des preppies. Non, preppies, ce sont des jeunes BCBG qui portent des petits Ralph Lauren ou des petits mocassins. Voilà. Non, ils sont pas trop comme ça, mais Abercrombie. Je peux pas, il y a pas. Mais les clients types de chez Abercrombie, c'est des preppies. On les appelle des preppies. On va rien trouver. De toute façon, nous, on peut la. Et c'est très attendu en France parce qu'effectivement, elle a raison. Charlotte Langrand, dans le JDD hier, elle nous racontait, elle disait faites le test, prenez un adolescent ou un jeune étudiant adepte de mode et annoncez-lui que vous partez pour New York ou Londres. Il veut aller. En quelques secondes, vous retrouverez certainement avec une longue liste de sweats et de jeans à lui rapporter, mais pas de n'importe quel magasin, de chez Abercrombie & Fitch. Mais la question, c'est, une fois que ce sera à Paris, est-ce que ça aura autant d'intérêt, évidemment ? Forcément, non. Non, voilà. Moi, j'en sais rien, il n'y a pas ma taille, de toute façon. En tout cas, le truc, c'était que les ados qui étaient achetés, qui avaient eu la chance d'acheter des trucs Abercrombie là-bas, c'est dans le côté, je suis allé à New York, ça faisait classe. Voilà. Tandis que je suis allé sur les Champs-Élysées, c'est pourri. C'est comme Gap, à un moment, on disait, il a des trucs Gap et tout ça. Oui, Gap, c'est fini aussi. Comme le McDo, c'est comme McDo. Contrairement à Gap, qui est un truc nouveau, Abercrombie, c'est une marque qui date de Abercrombie & Fitch, qui doit dater de 1920. C'était un magasin très célèbre qui était uniquement dans les articles et les vêtements de sport. Et j'ai lu cet article du Journal du Dimanche croyant qu'il rappellerait ça. Il y avait par exemple tout un étage pêche qui était extraordinaire, tout un étage golf, tout un étage. C'est la pêche, je croyais la couleur. Non, ouais, d'accord. C'était le plus beau magasin du monde. Ils ont fait faillite, ils ont été rachetés par des abrutis qui ont fait des trucs pour les gosses dépenaillés et tout, alors que c'était merveilleux. Et oui, ils ont fait faillite. Hemingway, qui était, quand il était. Pierre, t'articules bien, mais on ne comprend pas ce que tu veux en venir. En fait. Pardon ? On ne comprend pas où tu veux en venir. On s'est arrêté. Je donne des informations aux gens. C'est intéressant, il est chiant.
Non, puis la raison, c'est les abrutis qui ont repris la boutique. La preuve, maintenant, il y en a partout dans le monde. Alors qu'avant, ils ont fait faillite. Et tu pouvais trouver des articles pour la pêche, bien tout sûr, ça, ou sûr. La chasse. Moi, je suis allé à New York acheter une canne à pêche une année, c'était vachement bien. Pierre, soyez un peu dans le coup, vous voyez. À moi, les torse nus, par contre, c'est à moi qu'un pauvre petit paysan malheureux qui arrive à une sorte de sous-Bourville viendra dire au playboy que je suis, soyez un peu dans le coup. Ben oui. Vous allez faire rire dans les. Pour la première fois de votre vie, vous allez faire rire dans les. Ben oui, enfin, écoutez, Pierre, il est temps d'oublier la Violetaria et de passer à Nathalie Umbruglia. La Violetaria. Ben oui. La Violetera. Oui, mais enfin, voilà, je ne sais pas ce que vous voulez. Señorita, achetez mes violettes, c'est du bonheur qu'on achète. Oh bah le bon Dieu vous le rendra. En tout cas, ce magasin qui va ouvrir 23 aux Champs-Élysées, eh ben, ça permettra de créer des emplois parce que tous les beaux gosses un peu musclés, genre Joujou, vous voyez, vont pouvoir. Parce qu'il n'y a pas que les mecs qui sont dehors, c'est-à-dire que les vendeurs à l'intérieur. Pourquoi ils sont dehors torse nu ? Eh oui, ils sont dehors torse nu. Mais non, ils ont. Ah ouais, ouais. Et les vendeurs à l'intérieur aussi, il n'y a pas un laidron. Hein. Mais ils sont tout ah en bon, arrêt les maladie. Les vendeurs à l'intérieur, ils sont torse nus ? Non, ils ne sont pas torse nus, mais ils sont aussi. Ah, ils sont volés. Ah bon, ça doit être aussi. À l'intérieur, ils sont en doudoune. Dehors, ils sont torse nus. Et à l'intérieur. Mais ils sont tous en arrêt c'est maladie. C'est des magasins tout sombres. Ils vont concurrencer Zadig et Rousseau, là. Qui est... ouais. Pierre, vous devriez aller. Moi, pardon, je vous vois bien à l'entrée. Torse nu. Une sorte de vous êtes avec un peu l'idole des jeunes aujourd'hui, Pierre. Je vous vois bien. Avec un petit slip un peu serré. On le dit beaucoup, mais non. Je crois qu'ils lui ont demandé pour Armand Tiré si grand. Il n'entend pas quand elle parle non plus. Je ne peux rien faire. Ah oui, je vous vois bien chez Armand Thierry et si grand Covette. Torse nu. Armand Thierry et si grand, si j'avais prononcé ce mot-là, on aurait dit qu'est-ce que t'es démodé. Mais justement, on le prononce parce qu'on vous voit bien devant, torse nu chez Armand Thierry. Je vais te dire un truc, c'est tellement vieux, je sais même pas ce que c'est, moi. Donc. Non, pour Burlington, tu juste à poil. L'arbre tiré si grand. Pourquoi pas Coutard, votre tailleur, tôt ou tard. Parce que vous êtes vraiment démodé. Hein. Ou chez Chic et Beau, t'as connu Chic et Beau ? Non, j'ai pas connu. Joujou, ils l'ont pris chez Jacques Addy. J'ai connu. C'est vrai ? Et j'ai connu pas Chic et Moche. Voilà. Moi je m'habillais, je me suis habillé charmant. Mais chez De Vred. Chez De Vred, ben c'est plus récent. Oh là, De Vred. C'est quoi ça ? Vous n'êtes pas allé chez De Vred ? Non, non, mon père y allait, mais moi non, non. C'est vrai, je sais même pas ce que c'est. Quand je suis arrivé à Paris, la mode c'était Célio, c'est Célio, ça ouais. Célio. Ah non, 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 non. Ah ben si. Quand ça a ouvert Célio, tout le monde allait chez Célio. Tu es arrivé à Paris quand il y a 10 ans ? Oui, au-dessous d'un certain niveau Célio. De revenu, on allait chez oui, Célio. Voilà, Célio. Oui, Célio. Moi, j'ai jamais. Célio, c'est le premier. Moi, ma mère a préféré travailler 10 ans de plus pour que j'aille jamais chez Célio. Bah, tout le monde n'a pas vos moyens, monsieur Bénichou, effectivement. Non, il n'a pas une mère qui est méritante, c'est tout. Ma mère, si elle aurait su que je vais chez Célio. Si elle aurait su, alors là, mon pote. Si elle aurait su, ma mère. Alors là, si elle aurait su le mec du Nouvel Obs, ça commence à tomber si très bas, je te le dis. Quand j'essaye de faire semblant de parler comme toi, c'est gentil de ne pas me relever. C'est gentil de ne pas me relever. Baisse ta jupe et marche à l'ombre. Et maintenant, après le fort, le réconfort, après le travail, la pause. Ouais. Bravo, bien vu, il est 17h, on se retrouve tout de suite après les titres. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Ensemble une heure encore avec Michel Bernier, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Titoff et Fabrice Eboué. Bonjour Véronique, bonjour Jeff. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, c'est bien. C'est bon. Qui est Véronique, qui est Jeff ? Ah bah Véronique, elle est en Belgique, à Faux-les-Tombes, encore, c'est bien ça ? Oui. On a plein de Belges aujourd'hui. Ah ouais, qu'est-ce que vous faites, vous, là-bas ? Je travaille à Liège, en fait. Je travaille pas dans mon petit village de campagne. Je suis prof d'espagnol en fac. Prof d'espagnol. Oh, bah. Ah, ouais. Vous pouvez peut-être parler en espagnol avec Jeff, lui souhaiter bonne chance, lui poser quelques questions, allez-y. Jeff, comment estás ? Está bueno. Regardez la classe. La mamá c'est Pedro. Ah, ouais, toi aussi tu arrêtes en quatrième donc. Suerte. Non, non. Te deseo mucha suerte, Jeff. Il te souhaite bonne chance. Non, franchement non. Ah. Je comprends rien. C'est dommage. C'est dommage qu'il n'y ait pas Christine. Bravo. Hein. Jeff, vous n'êtes pas prof d'espagnol, vous, hein, manifestement. Non.
Pas du tout. Faites quoi, Asper ? Eh ben moi, je suis moniteur auto-école. Moniteur auto-école. Allez-y. Ouais. Où ça ? Asper, dans le Gard. C'est un petit village à côté de Sommières, là où c'est toujours inondé. C'est joli, Sommières. Alors, un petit test de moniteur auto-école. Posez une question à Véronique. Vengez-vous, à voir si elle est capable de répondre. Combien de points vous perdez si vous grillez un stop, Véronique ? Mais nous, on n'a pas de points chez nous. Il n'y a pas... Il y a déjà pas de... Il n'y a pas de stop en Belgique. Il n'y a rien en Belgique. Sans foot. C'est l'anarchie en Belgique. Il n'y a pas de gouvernement, alors. Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de points. On paye une amende salée, mais on ne perd pas de points. Nous. Moi, j'ai un permis belge. Vous avez un permis belge, vous ? Ah oui, je l'ai repassé là-bas parce que je ne perds plus de points. Je paye systématiquement, mais j'ai mon permis avec tous mes points quand je fraude. C'est bien de le dire. Non, mais c'est un tuyau que je file à tout le monde. Parce que sinon, tu peux avoir des... Quand tu n'as plus de points, tu es obligé de faire ça. Je l'ai repassé en Belgique. Ah oui, d'accord. Moi, j'achète mon shit en Espagne. Véronique, Jeff, n'écoutez pas tout ça. Hein. Si, si. Écoutez-moi plutôt et peut-être vous partirez sur l'île de Ré. Ça, c'est une nouvelle destination, un superbe séjour. Les pieds dans l'eau. Un week-end de deux nuits à l'hôtel Richelieu, qui est le relais et château de l'île de Ré. Vous connaissez sûrement, Pierre. Oui, c'est le plus grand hôtel de l'île de Ré. Et oui, une des plus belles valeurs de l'île de Ré, l'élégance, le raffinement, l'art du recevoir. C'est au village de la Flotte, à quelques pas du petit port. Terrasse, piscine donnant sur la mer, havre de paix. Vous serez en chambre cottage supérieure, demi-pension. Ah non, restaurant gastronomique et panoramique, forfait thalasso découverte de deux jours, un week-end. Remontée mécanique. Non mais c'est pas mal, c'est la première fois qu'on offre l'île de Ré. 180 km de piste. Un joli relais et château, vous êtes content, Jeff? Ah oui, vraiment. Vous êtes content, hein? Mais il faut avoir gagné. Et vous aussi, Véronique. Et attention, parce que la question est à la fois compliquée et simple. Je n'avais pas choisi ma question avant. Je suis obligé de la donner telle qu'elle. Aïe. Écoutez bien. Qui, parmi les habitués de notre émission, a été interviewé hier par la télévision chinoise ? Qui, parmi les habitués de notre émission, a été interviewé hier par la télévision chinoise. De Kersauzon ? Olivier de Kersauzon, non. Attention. Bonaldi ? Non, Bonaldi, non. Franchement, alors allez-y si vous savez la réponse. Gueluc. Pardon, Gueluc ? Stevie, non, c'est Philippe Gueluc. Bonne réponse. Bien sûr. Bien sûr, dans le cadre des manifestations. Et voilà, vous auriez pu trouver, franchement. Ah, Véronique. Oui, franchement, j'aurais pu. Vous êtes belge et Philippe Gueluc était dans les manifs. Exact. La manif des barbus pour avoir un nouveau gouvernement. Alors, quand même, vous êtes en Belgique et vous ne trouvez pas ça, Véronique ? C'est nul. Mais j'ai une petite question pour vous. Pour vos chroniqueurs. Oui. Hier, ou en tout cas dans les dernières semaines, à quoi se réfère Camping 16 ? Comment ? Vous pouvez parler en flamand, s'il vous plaît ? C'est trop compliqué, à là. À quoi se réfère camping ? Camping, comme faire du camping, comme... Du camping, camping. Camping 16. En fait, vous parlez qu'espagnol, quoi. Ouais, exact. Camping 16, c'est quoi ? C'est genre un code de Sibi ou un truc comme ça ? Non. C'est pas... Il n'y a pas un lien avec la Tunisie ? Non, du tout. En rapport avec le film, rien à déclarer ? En rapport avec la Belgique. C'est Fabien Antoniente qui vous a eu, qui fait croire qu'il y a un numéro 16 de camping. Vous êtes allé le voir bêtement. Un espoir de pouvoir y jouer un jour dans le 16. Véronique, mais pourquoi on répond à ces questions d'abord ? Oui, mais... Peut-être qu'on va pouvoir aller à l'île de Ré. Oui, mais c'est... ce qu'il fallait avoir, c'est la réponse. Elle est bonne, Véronique. C'est Benoît XVI qui fait du camping. Mais il y a un truc à gagner ? Oui. Fabrice est intéressé. Un week-end de deux jours dans une maison d'hôte à Folletombe. Alors, c'est quoi, alors ? Eh bien, c'est le 16 rue de la Loi. C'est l'occasion qui est donnée aux Belges de faire planter sa tente virtuellement pour protester contre le manque de gouvernement. Et c'est là qu'on voit que, franchement, c'est pas facile ce qu'il fait Laurent Ruquier. C'est un métier. Ouais. Oui, moi je trouve qu'elle était bien la question. Bon, en tout cas, ni Véronique, ni Jeff, qui pourtant est aussi un prénom célèbre en Belgique, Jeff. Oui, ni Véronique, ni Jeff ne partiront sur l'île de Ré, au fameux relais et château Richelieu. C'était Philippe Gueluc, effectivement, qui avait été interviewé par les journaux, enfin par la presse chinoise, la télévision chinoise, à propos de cette manifestation. 30 000 Belges quand même qui ont manifesté pour avoir un nouveau gouvernement. Et Philippe Gueluc
a demandé à ce qu'il y ait, comme en Tunisie, il y a la révolution du jasmin, la révolution des moules et des frites. Ouais. C'est comme ça qu'on pourrait appeler la révolution... C'est bien la révolution des moules. Il a dit « Faites la moule, pas la guerre voilà. ». Ah bah c'est pas mal ça, « Faites la moule, pas la guerre », vous voyez, comme, voilà. comme slogan. Voilà. Vous allez avoir un gouvernement là, je sens bientôt. C'est perdu. Laurent, oui, avant de vous quitter, je voudrais faire un gros bisou à mon idole Pierre Bénichoux. Pedro. Oui, Pedro, exact, mon idole. C'est refusé parce que je trouve que de dire mon idole comme ça, je trouve non, il faut dire mon idole chérie. Mon gros chouchou, mon idole chérie. Je vous l'ai déjà dit en direct à Bruxelles, on s'est croisés à Bruxelles. Ah, je vous l'ai dit que vous étiez mon chouchou. Ah oui, la grosse dame là, qui était là. Ouais. Avec des barésies et des pancartelles. Qui lui a dit « Faites la moule, pas la guerre ». C'est trop féminine. Mais pas du tout. Sacrablo, elle est trop féminine. Pierre, vous ne vous souvenez pas de Véronique? Encantado, querida. Si, gracias. Et j'ai dit la même chose. Enfin, il était un peu déçu parce que j'ai ajouté que Titoff qui nous a rejoint, j'ai ajouté aussi que je l'aimais beaucoup. Donc, il nous a rejoint, rejoint à quel moment de la soirée? Attendez. J'ai raté quelque chose. C'est lui qui a fait la frite. Ah, c'est qu'elle m'aimait beaucoup. Ce qui est terrible, c'est qu'elle t'a dit je t'aime beaucoup, mais vraiment, je peux pas. Quoi. C'est vraiment, on sentait vraiment que. Non, mais t'as raison, pour un plan à trois, faut être trois, hein, c'est sûr. Hein. Mais ça s'est passé où, ça, Véronique? Ben, la soirée qu'il y avait après vers quelle heure l'enregistrement de l'émission à Bruxelles. Le cocktail dans la où voilà. On était déjà à l'opéra, voilà. Là, dans c'est la, ça dans la petite dans chambre, la chambre ouais. Voilà. On vous embrasse, Véronique. Et oui, vous... moi aussi je vous embrasse. Bon, faut vous taire là maintenant parce que c'est putain, ils ont pas de gouvernement et pas d'amis non plus, ils ont besoin de parler. Jeff, on est désolé, elle a pris un peu de place, hein, Véronique. Ah, c'est pas grave du tout. Non, c'est bien, j'ai écouté sérieusement ce qu'elle a dit, voilà. On vous remercie en tout cas d'avoir participé. Vous gagnerez peut-être une autre fois. Bravo à tous les deux. Merci, au revoir. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Non, c'est parce que je n'arrive plus à me souvenir de cette jeune femme que j'ai rencontrée à Bruxelles et ça me fait de la peine. Voilà. On vous a entendu dire abruti. C'est vous que vous traitez d'abruti? Mais bien sûr, je me traite d'abruti moi-même. Alors sérieusement, pas un mot à Vermus. Hein, non, c'est pas Paul Vermus que vous traitez d'abruti. Mais non, mon idole. Ah bon? Adoré. Il est toujours un peu excessif. Hein. Oui, évidemment, ouais. Excusez-le. Mais il va sûrement être élogieux une fois que vous nous aurez donné les réponses aux enquêtes qu'on vous a confiées. D'abord, commençons par le guide du routard. Puisqu'effectivement, c'était une surprise pour la plupart de ceux qui sont tombés sur cet article concernant la presse et les livres qu'on peut à nouveau retrouver en librairie en Tunisie ou dans les kiosques en Tunisie. Bon, alors Le Monde, Libération, Canard Enchaîné, on comprend bien pourquoi tous ces journaux effectivement pouvaient être interdits sous la dictature de Ben Ali. On peut les retrouver à nouveau aujourd'hui, très bien. Mais alors, en revanche, le guide du routard, je ne m'expliquais pas vraiment pourquoi il était interdit, le guide du routard. Alors, il faut savoir, Laurent, qu'il est interdit depuis 1997, donc ça ne date pas d'hier. Et il est interdit à cause d'une phrase que l'on peut trouver dans cet ouvrage. Ben Ali, je vous la donne entre guillemets, hein, Ben Ali dirige d'une main de fer un pays où l'opposition et toute critique ont été interdites. Alors... Je vous signale que Philippe Gloisguen, le patron, le fondateur du guide du routard, est membre du comité de surveillance de la Fédération internationale des droits de l'homme, dont le président s'appelle Denis Oliven. Hein. Ah oui. Je vous précise, voilà. Alors, du temps de Bourguiba, le guide des routards Tunisie était autorisé. Dans les premières années, Ben Ali, il s'en vendait chaque année 8000. Et puis après, lorsqu'ils ont vu ce petit chapitre consacré à Ben Ali, les choses ont changé. Alors, il faut savoir que le monopole de l'importation des livres était entre les mains de Ben Ali. Hein. En même temps, je réfléchis. Le guide du routard Tunisie, on l'achète généralement en France, avant d'aller en Tunisie et pas sur place. Bah, y a déjà. Puis il y a des Tunisiens qui peuvent faire du tourisme, des Marocains qui peuvent faire du tourisme. C'est vrai, mais enfin, bon, c'est surtout utile aux étrangers qui viennent en Tunisie. Alors bon, ils vendaient sous le manteau, mais je vais vous donner une information. Le guide du routard a été interdit au Maroc du temps d'Hassan II. Ah bon ? Et à nouveau autorisé par M6, par Mohamed VI. Alors je vous signale que le guide du routard, le vendre en Algérie aujourd'hui, c'est trop dangereux. Donc de lui-même, Gloisguen a arrêté de le distribuer en Algérie. Et je vous signale aussi que les douaniers,
si vous allez en Birmanie et que les douaniers trouvent le guide du routard Birmanie, ils vous le confisquent immédiatement. Ah oui, moi j'y vais pas cette année, moi, en Birmanie. Ouais, parce qu'il y a un paragraphe dans ce guide consacré aux droits de l'homme, dont Philippe Gouasguen, le fondateur du guide, est un des porte-parole. C'est nul, le guide du routard, de toute façon. Pourquoi ? C'est censé être un peu l'insolite, les vacances hors des sentiers battus, et comme tout le monde l'achète, on se retrouve tous les mêmes cons, tous les Français au même endroit, au même instant, donc c'est complètement nul, le guide du routard. Moi, j'ai été très étonné par le guide du routard, parce que dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui sont affolés par le guide du routard, hein, et je croyais que c'était les adresses bon marché, des petits trucs. Et il y a aussi bien des palaces que des bouibouis. Ouais, moins de palaces que des choses. Ah non, mais ils mettent tout. C'est formidablement bien fait. Hein. Depuis la révolution tunisienne, il s'en est vendu 4000 en 10 jours, hein, du guide du routard tunisien. Ah oui. Bah voilà, c'est un signe. Où ça, en France ou en Tunisie? Bon, Ok, excuse-moi. Quand il n'a pas la réponse, il passe à autre chose. Alors, Paul, parlons des Bettencourt, Liliane et sa fille vont-elles être réunies aujourd'hui ou l'ont-elles été? Alors, je ne sais pas à quelle heure cesse des filles Armani. À l'heure où nous parlons, Laurent. Ah, très bien. À peu près, à un quart d'heure près, c'est à l'heure où nous parlons. Alors, je vous signale tout de même que la réconciliation s'est faite en privé le 23 décembre. Non, mais ça, on savait, vous n'allez pas me refaire l'histoire. Ouais. Non, je le sais bien, mais c'était là. Je veux dire par là que tout était rentré dans l'ordre et en cadeau de Noël. Madame Bettencourt avait payé les frais d'avocat et de justice de sa fille. Très bien. Ils étaient réconciliés depuis le 23 décembre. Bon, ça c'était une opération privée. Aujourd'hui, il s'agit d'une opération de communication qui est indispensable pour officialiser la réconciliation. D'abord, pourquoi Armani, Laurent ? Pourquoi Armani ? Armani, c'est le premier défilé de la collection maintenant qui arrive, le premier défilé, le grand défilé, puisqu'ensuite... Il y aura Dior, il y aura Gauthier. Sûr que on les voit pas beaucoup dans les défilés, les Bettencourt. À non. Part les défilés de haute couture. Je les vois pas dans une manif. On n'est pas assez payé. Avec des banderoles en soie. Alors bon, tout simplement parce que Armani, c'est le premier défilé. Les autres vont suivre aux 7 places Vendôme. Et toute la presse internationale sera présente. Et cette réconciliation, puisqu'il y aura Liliane et Françoise côte à côte au premier rang, sous les yeux quand même de deux gardes du corps. Cette réconciliation pour le groupe L'Oréal, c'est un acte citoyen et patriote. D'abord parce que ça fait déjà monter l'action. Puisqu'il n'y a plus de problème entre eux, ça fait monter l'action. Comprenez ça? Ouais, mais nous agresse pas, on comprend. Ah, bon. Alors, ça veut dire donc qu'elles seront bien ensemble et elles vont arriver ensemble. C'est indispensable pour la bonne marche de l'entreprise dont le gendre maintenant tient les rênes. Hein. C'est une brouille. Il faut savoir que c'est une brouille qui durait depuis 3 ans. Non, mais je m'en fous de la brouille. En fait, vous ne savez rien, là, une fois de plus. Paul. Comment vous ne savez rien? Je suis en train de vous dire qu'à l'heure où je vous parle, ils sont là. Je suis en train de vous dire qu'ils sont au premier rang côte à côte. Je suis en train de vous dire qu'il y a des gardes du corps. Ils sont amenés à Elles sont assises côte à côte, vous me jurez ça? Jurez. À l'heure où je vous parle, normalement, elles doivent arriver. Voilà. Et les gardes du corps, c'est au cas où elles se battraient entre elles? Les gardes du corps, c'est quand même la première fortune de France, quand même, Madame Bettencourt. Hein, donc, faut pas plaisanter. Mais elles arrivent ensemble. Voilà, dans une Mercedes noire, aux vitres fumées. Les coulisses des Energy Awards. Est-ce qu'il y a eu de la triche? Est-ce qu'il y a eu une affaire joujou, comme dans Têtu? Est-ce qu'il y a eu de la manip dans cette histoire? Les résultats sont vivement contestés. On parle de manip, on parle de triche, on parle de combine, on parle de magouille. Ah non. Les fans de Mylène Farmer et Christophe Paé crient au scandale. Eh oui. Alors le verdict laisse perplexe. Compte tenu du système de vote, qui est un système basé sur le suffrage du public, Laurent. Ah oui, tout ça on sait. Alors... Un vote par Internet, validé par huissier. On ne peut voter qu'une fois par jour et par catégorie. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Laurent? En vérité, ce qui s'est passé, c'est que Jennifer et M. Pokora ont activé leur fan club. Ah. Ils ont des fan clubs qui comptent des milliers et des milliers de groupies. Ils ont activé leur fan club et ils se sont débrouillés. Un peu comme nous ici, c'est l'affaire Joujou, c'est ce que je disais. C'est la même chose, Laurent. C'est exactement la même chose. C'est un scandale. C'est la liberté de tout candidat à une élection de faire marcher son fan club. Je vois pas qu'un candidat à la présidence de la République disant Ségolène Royal dit non, les socialistes ne doivent pas voter pour moi parce qu'on va dire que j'active mon fan club. C'est évident qu'on prend tous ses partisans. Là, vous avez raison, mais là où il y a triche. C'est que tous ces gamins, la plupart d'ailleurs sont mineurs,
lorsqu'ils votent, ils votent sur quatre ordinateurs, trois, quatre ordinateurs différents dans la même journée. Donc, c'est plus légal, vous voyez. On a le droit de voter qu'une fois. Eux, ils vont prennent l'ordinateur des parents, l'ordinateur. C'est l'affaire la Joujou. Non, c'est une nouvelle affaire Joujou. C'est plus l'affaire Gbagbo Ouattara, moi, je trouve, quand même. Jennifer M. Pokora. Dans l'absolu, Laurent, dans l'absolu, TF1 Energy ne peut pas se permettre de diffuser une émission truquée. Hein. Non. Voilà, c'est pas le genre à la maison. Les résultats sont quand même en contradiction totale avec les vrais chiffres. Eh oui, des ventes. Alors, voilà. Alors, pourquoi les résultats détaillés sont-ils tenus secrets? Je me pose la question, Laurent. Ah bah oui. Impossible de savoir combien de personnes ont voté dans chaque catégorie. On ne sait pas le pourcentage. Arrête. Alors, ils nous prennent pour des cons. Hein. Et quand vous demandez au coordinateur, il s'appelle Jacques Grimal, c'est le coordinateur de la soirée, il se refuse de les donner. Et puis, il ne faut pas oublier une chose. M. Pokora, quand on fouille un peu... devrait faire partie du jury du télécrochet le Dancing with the Star, une nouvelle émission de télécrochet sur TF1 qui va avoir lieu dans les jours prochains, et il est l'une des vedettes de cette émission. Alors, bon, une récompense en plus, ça peut pas faire de mal, hein. Ah oui, 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 hein, oui, ah oui, oui. Ce n'est pas la première fois, l'année dernière, les Tokyo Hotel avaient battu les Black Eyed Peas, hein. Écoutez, je trouve que... Peas, pas Peas. Les Black Eyed Peas, mais... Pff. Britney Spears. Je trouve que vous êtes tellement bon pour, voilà, comme ça, nous raconter les élections truquées et tout. Ce que vous allez faire maintenant, vous allez partir en Côte d'Ivoire, Paul. Non, au secours. Et puis, on se retrouve dans un mois. D'accord? Non. Peut-être. Allez, bravo quand même, vous avez fait du bon boulot. Et je vous signale que nous serons... mercredi prochain, avec notre fan club, évidemment, à Rennes. Tout Europe 1 se délocalise à Rennes. Et pour la première fois, qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je peux pas faire des mimiques sans que tu m'interroges. Non, tout le temps. J'ai entendu, sauf moi. Puisque... Oui, parce que je ne peux pas aller à Rennes. Puis ce qui est gênant, c'est le fait que tu te coupes les ongles, en fait. C'est ça qui nous gêne. Ça, les auditeurs, on le savent pas que je me coupe les ongles. Ouais, mais nous, on le voit. C'est très agréable de vous voir vous couper les ongles pendant que je suis c'est en train dégueulasse. De. Bah ouais, d'annoncer... Et il y a monsieur Torchman qui va pas tarder à arriver pour lui faire les pieds. C'est dégueulasse. Eh mais Pierre, c'est pas propre ce que vous faites. Demain, viens en pyjama veste. T'en fous tranquille. Moi, je suis en train d'annoncer notre arrivée à Rennes. C'est un fake, ce mec-là. Hein? Mais gratte-toi les couilles. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Mais c'est, non, c'est pas les ongles, c'est une peau. Mais enfin, Pierre Benichou, je suis en train d'annoncer qu'on sera à Rennes mercredi. Je vois pas en quoi c'est antinomique. L'un l'autre qui est à Rennes et l'autre, il s'est coupé une peau là, sur les ongles. Voilà. C'est pas d'une chose, c'est pas comme de dire. Daniel Evenou, Claude Sarraute, Stevie, Caroline Diamant, entre autres, à partir de 18h au Champ Libre. Vous n'allez pas vous emmerder. Au Champ Libre, discours des alliés au Champ Libre à 20h30, ce sera terminé. On commence à 18h, venez nombreux, l'entrée est libre dans la limite des places disponibles à Rennes. On va se gêner en Bretagne. J'y suis pas, moi. Ouais, vous y êtes, Titoff. Ah oui, on pas dit. Ah bah, je suis. C'est on anticipe sur la réunion de ce soir. Pierre Benichou, vous y êtes. C'est le directeur qui m'a dit, Monsieur Benichou doit venir à Rennes. Il aura les ongles courts, ouais. Précise. Il est grassement payé, il doit faire les déplacements. Grassement payé. On pouvait dire ça il y a 5 ans. Hein. Je suis un peu comme les tisanes de Monoprix, j'ai pas été augmenté. Hein. Dans un instant, l'invité d'honneur, à vous de l'identifier. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Qui est notre invité d'honneur aujourd'hui? Michel Bernier, Pierre Benichou, Titoff, Fabrice Eboué et Jérémy Michalak vont vous poser des tas de questions, invités. Soyez prêts, soyez attentifs, mais n'en dites pas trop. Oui, non sont les deux seuls mots qui vous sont autorisés dans un premier temps, invité. D'accord? Non. Oui, il a dit oui. Il a dit oui. Il a dit oui. Moi, je dis qu'il a dit oui. Ah oui, d'accord. Est-ce que vous faites pipi debout? Donc, vous êtes un homme. Oui, c'est un homme. D'accord. Et quand vous faites pipi debout, est-ce que vous chantez? Non, mais là, c'est vraiment. C'est un chat. Écoutez, je sais que j'ai l'oreille fine, mais là, je comprends rien. Non. Bah, il chante pas quand il fait pipi, c'est ça la question que vous posez. Oui, mais enfin, ça voulait dire, est-ce que vous êtes chanteur? Parfois. Mais ça n'est pas votre métier. Ah. Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique? Pas quand vous faites pipi. Est-ce que vous étiez aux Energy Music Awards? Est-ce que vous aimez la guitare? Est-ce que vous êtes compositeur? Avez-vous un lien, quel qu'il soit, avec Johnny Hallyday? On peut dire oui. Est-ce que vous avez composé pour d'autres chanteurs que vous? Est-ce que votre grand-mère est écrivain?
Est-ce que pendant vos temps libres, vous êtes chirurgien? Est-ce que vous avez une hanche neuve? Non. Vous voulez un indice pour essayer d'identifier ce chanteur, puisque vous avez d'ores et déjà trouvé qu'il s'agissait d'un chanteur. Vous êtes allé un peu vite en musique, mais tant mieux pour vous. Attention, voici l'indice. Vous comprenez cet indice, évidemment, invité ? Tout à fait. Alors, donc, c'est soit la magie, soit le violon. Ouais. Est-ce que vous jouez du violon ? Est-ce que vous faites de la magie ? Non. Est-ce que vous êtes petit avec des cheveux blancs ? Non. Non. D'accord. Est-ce que vous dansez quand vous pendant que vous chantez ? Ouais. Non, on va dire non. On va dire non, c'est pas mon truc. Non, c'est pas son truc. Est-ce que vous aimez beaucoup Bob Dylan ? Pensez à Hugo Frey, vous, Pierre Benichou. Pardon, vous je pense à qui je veux. Oui, mais c'est, on n'y avait pas pensé. C'est pas Hugo Frey parce qu'il est déjà venu ici. Voici un deuxième indice. Vous dites c'est quel groupe ? Non, je sais pas, je dirais les Who. C'est pas les Who, c'est U2. C'est U2 ça ? C'est U2. C'est U2 ça, ouais. Ah, ouais. Mais c'est le titre de la chanson qui est intéressant, ça on va pas le donner évidemment. Et c'est ce titre qui pourrait vous indiquer évidemment qui est notre invité. Alors, est-ce que vous faites partie d'une tournée actuelle, une tournée genre H Tendre et Tête de Bois et compagnie ? Non. Est-ce que vous êtes connu ? Oui, très connu. Est-ce que vous êtes. Est-ce que vous chantez mieux que moi ? Est-ce qu'en plus d'être chanteur, vous êtes acteur aussi ? Non, pas vraiment. Vraiment. Mmh. Est-ce qu'il y a des musiciens, chanteurs, artistes dans votre famille ? Oui, mais je les connaissais pas. Oui, mais je les connais pas, d'accord. Voilà. Un autre indice. Vivez l'expérience. Flunch, le plaisir intensément. C'était notre indice. Alors, d'accord. Est-ce que vous adorez manger chez Flunch ? Alors, quand vous rencontrez une fille, vous l'invitez chez Flunch. Mais Michel Bernier, ça a l'air de l'avoir mis sur la voie, Michel. Ouais, ça y est. Vous avez fait des pubs pour Flunch ? Non. La musique pour les pubs. Oui et non. Oui et non. Est-ce que ça vous gêne qu'on en parle ? Oui. Oui. Enfin, oui et non. Est-ce que vous êtes dans une autre pub en ce moment où on vous voit, vous, vraiment ? Oui. Oui. Michel a trouvé. C'est la seule à avoir trouvé pour l'instant. Joujou, évidemment, Pierre Bénichou, Titoff et Fabrice Eboué doivent continuer à chercher. Michel, vous passez un tour. Est-ce évidemment. Que vous avez fait de la politique ? Ok. Ah, il y en aurait un deuxième avec Titoff, peut-être. L'indice numéro 5. Il y a des escargots suisses allemands qui vivent dans les pâturages au-dessus de Candestek dans l'Oberland bernois. C'est dire s'ils sont pas rapides. Un soir, le mari gastéropode rentre avec l'estomac dans les talons, par définition. Bonsoir, Elissi. Krutzi. Krutzi, Gustav. Dis donc, j'ai faim. Je mangerai bien une bonne salade. Oh, j'ai oublié d'en acheter. Entschuldigung. T'as oublié d'acheter de la salade? Mais t'as rien fait de la journée ou bien? C'est pas ma faute. J'ai mis des heures à répéter le palais des petits schnecks pour la kermesse de Candestek dimanche. Regarde. Si avec cet indice, vous ne trouvez pas... Alors c'est devenu très facile. Alors là, ils sont 3 sur 5. Pierre Bénichou, toujours pas ? Toujours pas. Est-ce qu'on va l'aider ? Et vous, Fabrice Eboué ? Évidemment.
Non, je crois que vous n'avez pas non plus le nom de l'invité, Fabrice. Est-ce qu'on leur donne un bon indice? Ah non, non, attendez. Bon, j'ai un tout dernier indice, un tout dernier, mais tout dernier. Et puis, si vous ne trouvez pas, bah, évidemment, Jérémy, Michel et Titoff donneront le nom de l'invité d'honneur. Mais Pierre Bénichoux et Fabrice Eboué, on vous laisse une dernière chance. I got a woman way over town that's good to me. Oh, yeah. Alors, Fabrice Gilbert Montagnier. C'est Gilbert Montagnier qui est notre invité. Bravo. À tout de suite avec Gilbert Montagnier, notre invité d'honneur. Gilbert Montagnier est notre invité d'honneur à l'occasion de la sortie de son livre « J'ai toujours su que c'était toi » aux éditions Calman Lévy, un secret de famille dont il va nous parler dans un instant. Mais d'abord, je vais vous donner évidemment les solutions aux quelques secrets que moi je vous ai délivrés au fur et à mesure du jeu. Parce que c'est vrai qu'au départ, on les a un peu noyés. Ah ça, au départ, on les a un peu noyés. Ah, mais c'était assez rigolo, évidemment, de les voir chercher. C'est Michel la première. Ah, Michel. Hein. Ben, bravo, oui, mais Michel. Gilbert et moi, c'est une longue histoire. Absolument. C'est Flunch qui vous a mis sur oui, la liste. Oui, c'est Flunch. Ça fait toujours plaisir. Quand on te reconnaît par rapport à une pub en règle générale, ça fait toujours plaisir. Oui, mais en même temps, ça veut dire que tu vois, tu fais partie du patrimoine aussi. Exactement. Mais c'était quoi cette pub Flunch? J'en souviens pas. On va fluncher. Ah, mais oui, bien sûr. On va fluncher. Bien entendu. Ouais, c'est oui. Ça, je me disais. Ah, eh oui, Pierre. Expliquez, Gilbert, alors. Oh, c'est une galère, ça. Bah, c'est-à-dire que. Il y a eu procès, quoi. Oui, il y a eu procès. Ah, ils avaient oublié de nous demander si vraiment on était d'accord pour ce truc-là. Oh, mais on ne reconnaissait pas tout à fait l'air. Hein. Je ne suis pas reconnu, d'ailleurs. Voilà. Au début, c'était on va vomir. Et puis, on va s'aimer, on va fluncher. Bon, bah, voilà, ça, c'était un des indices. Le tout premier indice, c'était ça. Catherine Lara, c'était pour... Eh ben, c'est pour parce que ben, on a travaillé ensemble, notamment sur un titre qui s'appelait La craie dans l'encrier. Et puis quand même le plus gros, enfin le premier, pas le plus gros, mais le premier gros succès de Catherine Lara, La craie dans l'encrier. Que j'appelle familièrement Catoche. C'est voilà. Vrai. Oui, c'est Catoche. Catherine Lara et Gilbert Montagnier avaient chanté ensemble La craie dans l'encrier. Le deuxième titre, bon là c'était plus difficile. Ah ouais. C'est YouTube. Et le titre de la chanson, vous le savez, vous le connaissez le titre, Gilbert? Non, sincèrement non. Ils vous avaient pas demandé l'autorisation, apparemment. Bah, le titre, ça s'appelle, ils auraient peut-être pu, ça s'appelle The Fool. Ah, yeah. Or, la chanson de Gilbert Montagnier. The Fool. Voilà, un jour j'ai fait. Date d'avant, D'avant-guerre. D'avant-guerre, je sais pas, mais d'avant YouTube, en tout cas, absolument. C'est sûr. Voilà. C'était tout à la main à l'époque, il n'y avait pas l'électricité, tout ça. Il n'y a plus qu'à les attaquer maintenant. Peut-être que de temps en temps, ils touchent des droits d'auteur pour Gilbert, ou Gilbert touche des droits d'auteur de YouTube, en tout cas. C'est un truc pour Sergi Ado, ça. La chanson s'appelle pareil, The Fool. Voilà. Bon, alors après, ça devenait évidemment plus facile. Flunch, on en a parlé. Et puis, c'est Guy Montagnier qu'on a évidemment entendu raconter une histoire. Et alors, voilà. Par contre, Laurent, il m'arrive des fois de recevoir des bulletins de salaire de Guy. De Guy Montagnier. Ouais, ouais, et Guy aussi en reçoit de toi. Ouais, paraît-il. Hein. Oui, Sauf que Guy les garde, lui. Peut-être qu'il voudrait mieux avoir le salaire du professeur Montagnier. Ah oui, ça serait bien aussi, ça. Mais Fabrice, il a dit, sans faire exprès, il a dit, c'est chirurgien. En... Et puis Ray Charles, ouais. Hein, évidemment, le dernier indice, c'était Ray Charles. Bah oui, parce qu'on est, on a la même couleur de peau. Et voilà, exactement. C'est pas compliqué. Ah oui, on n'a rien dit. Mais que ça ne se voit pas. J'ai toujours su que c'était moi. C'est un livre signé Gilbert Montagnier, un récit où Gilbert raconte un secret de famille, un secret qui n'en était pas pour vous, en tout cas, non, Gilbert. Mais ça, alors là, on est dans un autre registre tout d'un coup. Là, effectivement, c'est comment commencer. Mes parents se sont rencontrés en 1935, et puis il s'est trouvé que la guerre a éclaté.
Mais maman étant juive, mon père lui a dit tu bouges pas, tu vas pas chercher l'étoile, tu vas pas au commissariat. Jeanne Calfon, c'est votre maman. Absolument. Hein. Et il lui a dit, mais moi j'ai appris ça bien plus tard parce que lui m'en a jamais parlé. J'ai été marié avec une Jeanne aussi, de laquelle je suis pas divorcé. Donc on va feindre qu'on a perdu les papiers. Tu vas avoir une carte d'identité sous un nom acceptable, et elle a traversé toute la guerre sous une autre... Donc, sous le nom de la première femme de son mari. Jeanne Paubel, c'est bien ça ? Oui, Jeanne Paubel. Alors ça, c'est un chapitre de l'histoire, mais le plus dingue, c'est que à un moment donné, on a vu le film Lucie Aubrac, et à la sortie du film, moi, j'étais vraiment habité par toute cette époque, la guerre, parce que maman m'en a toujours parlé. Mon père m'a jamais parlé de tout ça, jamais un mot. Et à la sortie du film, à la maison, Nicole, mon épouse, et puis mes amis du Bourbonnais, de l'Allier, d'un département que j'aime beaucoup, me disent écoute, parce que je leur raconte l'histoire, ils ne savaient pas évidemment. Et si ça se trouve, tu pourrais essayer de la retrouver. Vous êtes complètement fou, elle est morte depuis longtemps, la Jeanne. Parce que moi, déjà tout petit, quand on me parlait de l'histoire, je la voyais morte. Tu sais, quand t'es petit, t'as des idées dans ton imagination. Je la voyais vraiment très, 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 très vieille. Et finalement, vu l'insistance de tout le monde, pour avoir la paix, en fait, je prends mon téléphone. Et puis le reste, vous retrouvez Jeanne Paubel. Vous découvrirez. Ouais, la vraie Jeanne Paubel. Moi, j'en reviens toujours pas. Je veux dire, ça m'est arrivé, mais ça me paraît tellement incroyable. Et on a eu une belle relation. Quoi. On a eu. C'est une femme extraordinaire, vraiment. Résistante. Résistante. Et puis j'ai pu la remercier d'avoir sauvé maman. Parce que maman, elle a vécu la terreur tous les jours, hein, quand même. Et puis, ce qui est fou, c'est que. Alors pourquoi j'ai. Parce que j'aurais pu très bien garder cette histoire pour moi, pour la famille. Mais j'ai voulu le publier vraiment parce que. D'abord, c'est un témoignage du possible. Parce que moi, qui est tellement en ferveur, croyant au possible, là, je vous assure que je ne croyais absolument pas que ça aurait pu être possible, une chose comme ça. Et puis aussi parce que avec Jeanne, qui avait 90 ans, quand je l'ai retrouvée quand même, elle m'a dit, mais tu te rends compte, notre histoire, c'est tellement beau, ça pourrait être un livre ou un film. Et je me suis dit, ok, alors d'accord. Ça me fait vraiment plaisir d'en parler. C'est lui rendre hommage. Et c'est rendre hommage à tous les gens anonymes qui ont été mes parents et elle. Ça s'appelle « J'ai toujours su que c'était toi ». C'est un récit signé Gilbert Montagnier, publié chez Kalman Lévy. C'est du vrai, oui. Gilbert Montagnier reste notre invité d'honneur jusqu'à 18h, mais on l'écoute justement dans « The Fool ». Thing you ask, oh, it's so cruel. Can't you see it is?
L'histoire du papa et de la maman de Gilbert Montagnier. Robert, hein, c'est le prénom de votre papa, oui, Robert Montagnier. Et Jeanne Calfon, plus connue pendant la guerre sous le nom de Jeanne Paubel, puisqu'elle avait emprunté ce nom une dame que vous avez finalement retrouvée, dame résistante. Ça donne ce récit. J'ai toujours su que c'était moi chez Calman Lévy. Ouvrage qui sera évidemment aussi en braille. J'allais vous le demander. Et en audio. Parce que je vais raconter moi-même, quoi. Ça va être ma voix, tant qu'à faire, parce que c'est mon histoire. Ce qui est assez marrant, c'est que j'attends la copie en braille pour pouvoir le dire en audio. Parce que vous ne l'avez pas appris par cœur. Parce que j'ai... Ah, ouais. C'est drôle, ça. Ah ben oui, c'est vrai. Quand je vous dis ça comme ça. Hein. Quel humour d'acier. Là, toujours. Chaque fois, je sais que tu en fais beaucoup, mais chaque fois, je suis scotché, je suis bluffé et admiratif. Voilà, mon petit gars. Merci, mon Pierre. Vous composez toujours, Gilbert, parce que là, c'est bien gentil d'écrire votre histoire, mais est-ce que vous composez encore des chansons ? Oui, absolument. D'ailleurs, dans le live qui va sortir là, dans un mois, c'est le live à Gaveau. On a fait les concerts à Gaveau et j'ai présenté 4 inédits. Et c'est vraiment un très, très beau live. Pas parce que c'est moi, mais surtout parce que le public a été réellement extraordinaire. Et plus je vais dans ma carrière, plus j'ai le trac, moi, plus j'ai peur, mais ça doit être bon signe. Je sais pas. Gilbert Montagnier sera l'invité de Faustine Bollard sur Europe 1 jeudi prochain. À Rennes. Ah bah oui. Pour l'émission Et si c'était ça le bonheur. Le bonheur, selon Gilbert Montagnier, c'est quoi alors ? Oh, le bonheur, c'est d'apprécier vraiment la vie, c'est d'apprécier. Vous voyez, c'est ça qui est chiant. En France, dès qu'on dit des choses comme ça, ça paraît démago et c'est pas démago. Pour moi, là, je suis là avec vous, bah, j'apprécie ce moment-là. Parce que quand j'étais môme, j'aurais jamais cru qu'un jour je pourrais être public et puis j'aurais jamais cru qu'il m'arriverait tout ce qui m'est arrivé. Et je crois qu'il faut se souvenir d'où on vient parce que les racines c'est important. Et avec Faustine Bollard ce sera différent, mais bon. Non, super Faustine. Ce sera jeudi après-midi chez Faustine Bollard, juste avant notre émission évidemment à Rennes. Et évidemment, il a pu faire pendant toute cette carrière, Gilbert Montagnier, tous ces tubes qu'on aime. Ça danse autour de la table, Michel Berger. Surtout Fabrice. Viens danser sous les sunlights des tropiques.
Ah, ça c'est autre chose que vos chansons, Pierre Bénichoux. Hein. Ah, bien que. Ah oui. Est-ce que vous connaissez la trompette, Gilbert? Non. Trompette. Comment ça fait? Il y a longtemps que vous n'avez pas chanté la trompette. Ça nous manque un petit peu. Pourriez pour Gilbert Montagnier chanter la trompette. Allez, pour Gilbert. Mais je suis sûr que je connais. La demande générale. Ouais. Une poupée de velours qui devenait folle d'amour. Ah oui. Pour un petit en bois, papa, papa. Non, 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 non. Il lui disait dans ma foi. Oh, dis chérie, accouche-moi sans. De la trompette, de la trompette. J'adore. Tu vois que. Tu vois que même les chanteurs les plus modernes et les plus en vogue connaissent la trompette. Mais ouais, mais joue-moi-en, c'est extraordinaire. Allez, oublions la trompette. C'était quoi votre quartier d'ailleurs dans votre enfance, Gilbert? Rue des Pyrénées. Moi, je suis né à Maître Jourdain, Rue des Pyrénées. Je suis né sur la table de la cuisine. Et figure-toi que ça, c'est un scoop qui vient de m'arriver. J'ai retrouvé la table. Non, alors donc, j'ai retrouvé la femme du médecin qui a accouché maman quoi, sur la table de la cuisine. Mais vous recherchez tout le monde en ce moment. Mais non, alors sans rien chercher. Par contre, là, c'est elle qui m'a contacté. Elle me dit que son mari courait partout dans les meubles, trouvait du coton, parce qu'en fait, je suis né bon préma, je faisais 950 grammes. Et donc, ils avaient besoin de beaucoup de coton pour essayer de me garder au chaud. Le médecin, il avait dit, oh, bah, le petit va s'éteindre gentiment, vous attendez un peu, ça va s'éteindre. Et puis, finalement, j'étais bien allumé dès le départ. C'était la grand-mère de Michel Polnareff, je crois. J'ai toujours su que c'était dans la cuisine, c'est peut-être Hervé Morin le père. Hein, j'ai toujours su que c'était toi. C'est le récit signé Gilbert Montagnier, secret de famille dont il nous a parlé. Désormais, Gilbert Montagnier en librairie. Merci Gilbert Merci d'avoir été notre invité d'honneur. Merci à tout le monde. À demain, 15h30, je vous laisse en compagnie de Nicolas Demorand.